Dans cet endroit, quelque part à la campagne, trois personnages aussi talentueux qu'originaux ont partagé 24 heures de convivialité. Une rencontre en dehors du temps et pleine de grâce. Eh bien, messieurs, je suis ravie de dîner avec vous. Et comme je me trouve en très bonne compagnie, j'ai mis des boucles. Christophe Willem, le chanteur à la voix d'ange. Tombe la nuit, j'attends l'étoile. Armel, la comédienne à l'humour irrésistible. Dans l'assistance, mon œil tombe sur le sien. Alors j'ai fait ça. Il m'a fait ça. Et l'auteur mondialement connu, Éric-Emmanuel Schmitt, se sont ouverts pour mieux se découvrir. Honnêtement, ça rend triste parce que je me rendais compte que je voyais en fait toute mon adolescence défiler sans la vivre. Ces trois artistes inclassables qui ont fait de leur singularité une force ne pensaient sans doute pas avoir autant de points communs. Tirer leur force de l'adversité, posséder le charme de l'intelligence. Je me suis dit, s'il chante aussi bien, si c'est qu'il veut rendre mélodieux quelque chose qu'il n'a pas été. Oui, il nous énerve à dire des choses aussi bien. Et le don de transformer certains moments en pure magie. Comme quoi, les plus belles rencontres restent sans doute celles qui sont inattendues. Bravo ! Magnifique ! Mais pour le moment, le jour se lève sur une journée particulière. À cet instant précis, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Alors, c'est par là. Ah non, mais attends. Non, mais là... On n'a jamais fait, hein. Alors... On va en chier. Ma première rame, je vois que ça peut durer, en fait. À l'envers, surtout, c'est un style. Ça fait tout. On va la tenter comme ça. Ouh là 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 là. Voilà. Eh ben. Bienvenue à tous. Je suis partie chercher du pain. Faites comme chez vous à très vite, Fred. Pas mal, hein. Ah, il faut prendre la barque. Génial. C'est Venise. Above him, there's no other. Comme l'Aveyron, il faut comme ça. Jesus is the answer for the world today. Above him, there's no other. Jesus is the way. I know you have got mountains that you think you cannot climb. I know you're scared to die. Je suis arrivée. Quelqu'un? C'est vraiment la maison de... Ah non, c'est la Belle et la Bête. Mais c'est toi qui es là? Ah, Christophe. Est-ce que t'en as chié avec cette barque? Vaguement. J'essaye de me baisser, mais je peux pas, je me suis... Donne-moi ton sac, attends, parce que moi, tout à l'heure, j'ai mis un quart d'heure à arriver à sortir. Attends. Donne-moi ton sac, déjà, on va y aller hors. Bon, on se fera un bisou après. Oui, oui, attends, on va y arriver. Attends.
T'as mis la corde, tu t'es accroché? Non. Ah bah évidemment, il faut s'accrocher. Tu es jeté de quoi? Un, deux, trois. Voilà. Bon, comment vas-tu? Bonjour Christophe. Mais attends, je savais pas du tout que c'était toi. Moi non plus. Bah alors attends, vas-y, on y va. Hein. Mais là, t'as mis combien de temps pour arriver de là à là? Oh ben j'ai été vite, j'ai mis 5 minutes, non? Ah oui, bon voilà. Ah non, je me suis bien débrouillée. C'est beau, hein? Bon, je me sentais un peu seule. T'es tout seul, là? Là, oui, y a personne, regarde. C'est génial, c'est comme un jeu de piste. C'est parfait. Tiens. Alors, jus de poire, oh, jus de poire, jus de pomme, jus d'abricot. Moi, tu j'aimerais bien un petit jus de poire en accueil, puis après, on ira voir l'intérieur. J'adore le jus de poire. C'est très délicat comme fruit, la poire. Non, mais c'est énorme que ce soit toi. Je me disais, imagine, c'est des gens que t'aimes pas. À qui t'arrêtes de dire? Mais c'est ça, t'as l'air mal. Il y a encore quelqu'un qui va arriver, alors? Ben, je crois. Je crois. À cette belle maison qui nous accueille. T'as des allumettes? Là, regarde, il y a tout. Ah ben voilà, on va faire un feu. Ben voilà, c'est ça. Il faut des journaux et du petit bois. D'accord. Ok. On va pas aller loin, je crois. Mais ça, c'est formidable. Les petites cagettes, c'est ce qui brille le mieux. Bon. Alors, regarde, ça prend tout de suite. Ça va s'enflammer comme rien. Mais alors là, ça va être épouvantable. Et ben voilà. Ça, c'est une maison qui vit. C'est vrai. Alors... Non. Oui. Écoute. Voilà, ça, c'est fait. Regarde, elle est... Moi, je peux pas m'empêcher. Ah ! Un nouvel arrivant. Bonjour. Bonjour. J'aurais dû inventer la vapeur. Bonjour, ça va ? Bonjour. Enchanté. Bah, ça me fait plaisir. Il y a des petites dégustations du coin, local, tout en local. Qu'est-ce que c'est le local ? Alors, jus de poire, jus de pomme, jus d'abricot. L'abricot, moi, je suis plutôt... Ah. On va l'appeler... Chérie, on reçoit quelqu'un. Oh, un écrivain. Comment on se voit ici? Bonjour. Bonjour, Eric Emmanuel. Ça va? Tu es le troisième larron. Ben voilà. Alors, il y a un petit jus pour nous accueillir. Un jus d'accueil. Alors, lui, il a le jus d'abricot. Le feu a l'air de prendre. On t'a fait un feu, Eric Emmanuel. Mais... Tu nous sers un café, Christophe? Je vous amène ça en salle. Gâté. Tu as compris tout de suite, toi, qu'il fallait prendre le bateau? Oui, j'ai vu le panneau, puis j'ai vu le bateau. Je me suis... Moi, j'attendais. Je disais, mais... Bon, la personne est en retard, etc., etc. J'ai pas imaginé, au bout d'un temps... Si, en fait, j'ai compris, parce que comme il y avait des petits panneaux au fur et à mesure, je me suis dit, ça y est, c'est comme un jeu de piste. Oui, mais moi, pour moi, c'est s'arrêter sur le ponton. J'ai horreur de l'eau. C'est vrai? Oui, c'est pour ça. Je déteste ça, je déteste... Enfin, j'aime bien voir l'eau, être au bord de l'eau, mais je déteste être dans l'eau, être sur l'eau. Donc c'était stressant pour toi? Non. Ah, il y a quelqu'un! Ah, c'est un bruit de deux chevaux, ça. Ça doit être Frédéric. Il est parti chercher du pain. Voilà, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je fais la mise. Enchanté. Ravi. Ravi de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais non, c'est avec plaisir. Enfin, peut-être parce que je me rends pas compte. Oui, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est avec plaisir. Ah, il est vraiment parti. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Ah, le pain, très bien. On a pris nos aises. Christophe fait du café, on a allumé un feu. Qui veut? Est-ce que vous voulez un café? Non, un petit café. Je sens que Christophe est du genre à faire toujours quelque chose. Ah oui. T'es hyper actif? Oui, surtout que là, j'ai très peu dormi, donc il faut que je tienne. Je vais faire ménage, tout, je pense. Donc, café? Moi, non, ça va. Ils sont servis les cafés? Ils sont là. Parce que moi, je propose qu'on aille sur le ponton. Ah, on va ramener les... Pour essayer de comprendre ce qu'on fait là. D'accord.
Pourquoi j'ai rien? Ça va? Pourquoi? Parce que t'as tout fait. Non, mais pourquoi j'ai rien? Attends, ça fait genre le gars qui fait rien. Alors, c'est mignon, n'empêche, ce petit coin. Ouais, j'aime bien. Et là, on peut faire un autre feu. Allez, je vais m'installer. Voilà. Bon, je suis très très content de vous voir et de vous voir ensemble. Parce que je pense que vous ignorez à quel point vous avez des points communs. Vous avez un parcours assez incroyable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de gens qui vous aiment. Et ce n'était pas forcément le cas quand vous étiez enfant, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Oui, mais on ne s'en rendait pas compte à l'époque. Hein, je pense que vous étiez tous les trois des enfants différents. Si on devait résumer en une phrase comme ça, on dirait quoi? Christophe Willem, c'est encore une fois un petit garçon qui était complexé même pour sa voix. On dira tout ce qu'il a fait pour avoir une autre voix. Et qui a séduit ensuite par sa voix, qui a vendu comme ça des milliers d'albums. Donc ça, c'est assez incroyable quand on voit les deux images. Le petit canard tout noir qui devient un cygne, ça c'est votre histoire. Voilà, le truc, c'était surtout, en plus, j'avais une voix très aiguë. Et donc, j'ai fait plein de trucs, y compris me mettre à fumer et tout, assez jeune, pour dire, attends, il faut absolument que ma voix devienne grave, j'en ai marre et tout. Et c'est vrai que quelques temps après, en fait, on m'a vraiment remarqué pour cette voix, en fait. Donc, c'est assez drôle que ce soit ça qui me permette aujourd'hui d'être différent et d'être apprécié d'une partie des gens, quoi. Et cette voix, dans ta famille, tu es le seul à l'avoir ou... Ouais. Ouais, vraiment. C'est avec Eric Emmanuel Schmitt, on a demandé aux Français, dans des sondages, hein, quel était le livre qui avait changé leur vie. Ils ont dit la Bible, Le Petit Prince et Oscar et la Dame Rose. C'est énorme. C'est énorme. C'est sublime. D'ailleurs, quand on m'en parle, je ne sais absolument pas où me mettre. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. J'avais reçu déjà des lettres qui me disaient « C'est un livre qui a changé ma vie parce que j'ai envie de me tourner vers les autres. » Parce que c'est un livre qui raconte la relation d'un petit garçon de 10 ans malade qui a une leucémie, avec une bénévole, une dame rose, qui lui apporte sa joie de vivre, son entrain et sa philosophie. Et voilà, alors des tas de gens m'avaient écrit en me disant « ça a changé ma vie, je vais devenir infirmière, parce que ça, je vais devenir spécialisé en pédiatrie à cause de ça. » Mais je ne pensais pas que ça prendrait les proportions d'un sondage. Ouais. Donc voilà, oui. Bon, et Armelle, c'est vrai que j'ai l'impression que sans la connaître, on l'imagine gentille, intelligente et rigolote. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit apparaître dans un film, c'est une présence singulière dont on se souvient longtemps. Et évidemment que le grand public vous aime dans ce personnage de caméra café. Parce que c'est quoi? Parce que c'est évidemment, c'est pas vous, c'est un personnage, mais dès que vous vous mettez dans ce rôle de ce personnage, c'est quoi? Elle se comporte comment, ce personnage, pour le public? Juste si vous deviez vous réincarner en Maëva. Elle est un peu fébrile, elle est toujours un peu agitée. Tout est très important. Voilà, ça c'est Maëva. C'est génial de symboliser un personnage comme ça. Non mais un personnage, c'est comme on est comme une marionnette et c'est tout d'un coup comme si la main du marionnettiste, il vient en vous et il vous anime. C'est exactement ça. Donc Maëva, tout d'un coup, c'est... Mais non, mais j'ai toujours envoyé un fax. Et puis elle a la bouche un peu comme ça. C'est dans la bouche aussi. Ce personnage, sur le papier, c'était pas le mieux parti. Elle était censée être plus ou moins dépressive. Voilà, elle n'était pas sexy, elle était pas. C'était un peu la pauvre fille du bureau. Et puis, je suis contente qu'elle ait touché les gens. Et donc, il y a forcément de vous dans cette histoire. Oui, oui. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de là, on raconte de ce qu'on connaît de vous, mais sans faire un flashback, parce qu'on va creuser ça pendant 24 heures. Mais c'est vrai que la petite, l'enfant que vous étiez se sentait différent des autres, puisque sa meilleure amie, alors qu'elle avait 5 ans, était née au 19e siècle. Oui, elle a toujours été décalée, Armelle. Ma première camarade de jeu, c'est une dame qui était née avant 1900. Ah oui. C'est une vieille dame et je l'adorais. J'allais chez elle, je frappais à sa porte. Je disais « Êtes-vous là, madame ?» Je disais son nom. Et puis elle m'ouvrait, puis on chantait des chansons, elle me faisait des beignets. Et c'est presque irréel parce que elle est née au 19e siècle, quoi. C'est dingue, ça. T'as une enfance chez la comtesse de Ségur, quoi. Mais, exactement. Vous avez tout compris. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'adorais la comtesse de Ségur. C'est pour ça aussi, je me sens souvent décalée, parce que c'est comme si les époques passées sont plus proches de moi que ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, vous savez à quoi ça sert, ça? Ça, c'est un petit panier où les invités mettent leur portable. Ah. Non, ça se fait pas. Non, mais c'est intéressant, c'est pour la réaction. C'est pour savoir l'addiction, en fait. Hein. Où est-ce que vous en êtes avec cette addiction-là? Moi, j'ai coupé, j'ai fait un effort. D'accord. Moi, il est coupé, il est au fond de mon sac. Ah, moi, je l'avais pas coupé, mais je veux bien. C'est vrai? Oui, mais je vais le couper. Mais vous faites ça avec décontraction ou c'est... Oh, bah, je suis content, même. C'est vrai? Ah, ouais. Bah, c'est un soulagement. Hein. C'est un soulagement de couper le portable, hein. pas vraiment pour Christophe.
Non, c'est... Non, mais je vais le faire, genre symboliquement. Non, non, en vrai. Non, j'aime pas, parce que j'ai l'impression que je suis coupée des gens que j'aime. Quand je tu vois, je me dis, tu sais pas. Oui, mais tu les as prévenus. Mais même si je les ai prévenus, tu vois, je trouve toujours une excuse, genre... La fin du monde arrive, quelqu'un nous prévient, on peut pas, et on meurt. Par exemple. Oh, mais on le retrouve au ciel. J'ai vu... Et puis Armel, toujours le petit mot pour nous rassurer. C'est pas grave, on se retrouve tous. Bah, oui, c'est un peu ça l'idée. Non, mais c'est vrai, mais c'est qui, c'est à qui ce petit bloc? Le petit carnet? Oui. Alors, c'est le carnet de la maison, c'est pour noter la liste de courses. On est d'accord, on va se faire à manger nous-mêmes. Ah bah oui. Vous êtes capable de nous faire à manger? Oui, moi ça va. Moi, je suis nul, hein. Qu'est-ce qui cuisine en vrai? Non, moi, je cuisine pas. Jamais. Mais j'aide au maximum. Ce que je veux, c'est ne pas avoir la responsabilité du repas parce que c'est toujours dégueulasse. Mais par contre, je suis prêt à faire les trucs les plus chiants, les épluchages les plus odieux, les trucs qu'on donne aux esclaves. Je le fais. C'est bien. Cendrillon. Cendrillon. Toi, tu fais Javotte et moi, je fais Anastasie. Est-ce que vous sentez de nous faire quelque chose? Oui. Oui. Toi, non, je suis comme toi. Bien. Non, je cuisine. Bah, je suis pas géniale, mais je cuisine. Voilà. Bah, au 19e siècle, les femmes cuisinaient. Parce que de toute façon, là, on est complètement transportés. Armel, qu'est-ce que vous avez envie qu'on mange? On voit si jamais on est tous d'accord, quand même. Ah, pour le plat, moi, j'aime bien les aubergines à la parmesan. Ouais. Vous aimez ça? Les aubergines à la parmesan. Vous êtes allergique aux aubergines, je sens. Non, pas du tout. Non, avec non. De la mozzarella. Mais on peut t'aider, c'est oui, bon. Oui, voilà, ça va. Est-ce que ça s'épluche? Même si s'il y a un truc à faire, ça va. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste. Mais donc, il n'y a pas de viande. Dans ce plat-là, non. Non, mais c'est vrai. Mais là, regarde, t'as plein de charcuterie. C'est vrai. Toi, t'es viande, viande, viande. Non, mais je suis très poulet. Ah, moi aussi, oui. Bah, puis alors, un poulet rôti, c'est un on bon... y arrive. Oh, ouais, non, un bon poulet rôti avec les petites pommes de terre et tout, c'est canon. Oh, les pommes de terre, il faut les faire cuire très, très longtemps avec de l'ail et voilà. De la graisse d'oie. Et là, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on dit? Moi, j'aime bien l'idée des aubergines aussi. Et les aubergines, ça peut être une entrée? Ça peut être une entrée. Ben voilà. Les aubergines en entrée, poulet rôti avec de la graisse d'oie. Par contre, poulet rôti, évidemment, il faut couper le poulet. Oh, bah, ça, c'est vous. Bah, c'est fait, Eric et Emmanuel. Parfait. Magnifique. Et on a le menu. C'est génial. Donc, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant 24 heures, j'aimerais savoir à quel point vous serez authentique. Et je vous propose même qu'on fasse le point dans 24 heures. Ah, bah, on peut. Hein? Pour savoir à quel point vous avez été authentique dans vos parcours. Les hauts, les bas, les doutes, les espoirs. Et, les hein? Hauts, les bas, la la la. Je vous emmène en. C'est un endroit qui est mon endroit préféré de la maison. On y va? Ça fait peur. Oui, parce que là, t'as beaucoup de pièces qui viennent en tête. C'est canon. Oh. C'est vraiment canon, canon. Oh, les matrioshka. C'est le vrai grenier, quoi. Alors moi, j'adorais les matrioshka parce qu'il y en avait toujours une plus petite que l'autre. Et regarde, même celle-là, elle se trouve. Regarde, il y en a encore une, il y en a toujours une au moment où on croit que c'est fini. C'est énorme, cet endroit. Comment vous vous sentez dans ce grenier? C'est le grenier d'Ali Baba. Pas la caverne, c'est le grenier. Eh ben c'est pas triste. Hein? C'est pas triste. Ça fait, y a pas de nostalgie. C'est joyeux. J'adorais moi ces trucs-là. Mais si, où tu faisais ça là. Tu arrivais devant la Tour Eiffel. Tu voyais la vraie Tour Eiffel et tu mettais ça à côté. Il y a le type qui te vendait la Tour Eiffel mais là-dedans. Non mais c'est vrai. Et c'était mieux. Mais c'est vrai. Moi j'avais exactement ça. Mais attends, ma sœur aussi elle l'avait. Celui-là, cet objet-là. Oui, ce livre-là, cette édition-là. C'est quoi, c'est Les Malheurs de Sophie? Oui, oui. Comtesse de Ségur, Nero Stopchine. Avec, voilà, Nero Stopchine. Quand on est enfant, on voit écrit Comtesse de Ségur, Nero Stopchine, ça veut rien dire. Sinon, c'est quoi Nero Stopchine? Déjà, c'est. Et ça veut dire quoi en fait? Bah, c'était son nom de jeune fille. Elle était russe, mais quand on est russe. Enfant, on ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Elle dit ça veut rien dire. Non, c'est comme à la fin des dessins animés, il y avait Te Hande. Oui, Te Hande. On comprenait pas, oui, c'est vrai. On comprenait pas ce que ça voulait dire. Donc vous, Christophe, vous grandissez, vous avez une sœur plus grande. 4 ans d'écart, c'est ça? Oui, 4 ans de plus. Vos parents ont une auto-école. Exactement. Vous êtes en banlieue parisienne. Oui. C'était l'auto-école, mais vraiment familiale, en fait. Il y avait
Il y avait la salle de code, parce que vraiment, il y avait vraiment les salles de code. Dès que tu entrais dans toute l'école, tu avais les chaises avec les trucs à diapo et tout. Tu vois, mais c'était vraiment ça. J'ai grandi là-dedans. Et il y a derrière, il y avait l'arrière-cuisine. Donc, tous les midis, ma mère faisait à manger dans l'arrière-cuisine. Et au bout, on avait la pièce du fond. Et la pièce du fond, c'est là où il y a des spectacles. Oui, fameux. Tu vois, oh putain, c'est... Oh non. Et les mimi. Et attends, il est où? Alors, à droite, c'est Laurence, en fait. C'est mon assistante avec qui aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui encore dans votre vie, quoi. Exactement. Et juste derrière moi, en rouge, c'est ma sœur, en fait. Donc, votre sœur qui imite Madonna, et vous, du coup, vous êtes influencée, vous avez envie de faire Madonna, mais votre père, il trouve ça bizarre. Ouais, un peu. Mon père dit, bah, comment te dire que c'est bizarre de prendre les talons de ta mère, on comprend pas bien, mais tu vois. Mais moi, en même temps, ça me fait rire, quoi. J'y vois absolument pas les connotations à cet âge-là, en fait. Donc, je trouve ça drôle. Et le pire, c'est que je mets les talons de ma mère, mais je joue aux parents et je vais être le père. Déjà, on sent quand même qu'il y a, il y a un petit décalage et je vais être le père. Et donc Laurence, donc l'assistante, elle dit, mais tu peux pas jouer, on peut pas jouer aux parents et tu peux pas être le père avec des talons. Je dis, bah si. Tu vois, et donc très sûr de moi et tout, quoi. Donc, oui, il y a ce truc-là. Et elle dansait. Alors là, ça, c'est un truc qui... J'étais jaloux de ça, en fait. C'était pas du tout la danse en elle-même que je trouvais belle, en fait. C'était la musique. Je trouvais ça dingue de pouvoir créer sur de la musique. Et on se renseigne, il me dit, le mieux, voilà, ce serait de faire du piano. Mon père me dit, mais t'as intérêt à être sûr, parce que si tu fais du piano, on va acheter le piano, genre, à crédit. T'as intérêt à ne pas arrêter dans un an. Tu vas en faire au minimum 5 ans le temps du crédit, si tu veux. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. Je dis, bon, oui. Bon, et là, une catastrophe. Oh. Nul, de chez nul. Alors là, jusqu'au jour où je découvre une petite boutique qui s'appelait Musicalia, à côté de là où j'habite. C'est une toute petite boutique. Et là, c'était la caverne d'Ali Baba avec toutes les partitions, mais des trucs que j'écoutais. Et genre, il y avait la boum. Tu vois, met you by surprise, didn't realize. Et là, j'arrive là-dedans et je trouve la partition de la boum. Et là, c'est révélation. Et là, en fait, je me mets à jouer la boum. Et nul, évidemment, parce que j'avais pas du tout fait le solfège correctement. J'arrivais pas à déchiffrer correctement. Et donc, mes amis, quand ils venaient chez moi, je dis, regardez, j'ai appris et tout. Vous avez deviné ce que c'est. Et évidemment, j'étais tellement nul. Ils devinaient pas. Plutôt que de faire, tu vois, normalement, tu fais la mélodie à la main droite, l'accompagnement avec la main gauche. Oui. Et moi, je faisais des accords, en gros. Donc, les gens ne trouvaient pas. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis mis à chanter. On dit, mais si, regardez, ça fait Met you by surprise, I didn't realize. Et c'est pas grave. Juste pour boucher les trous. Oui, pour boucher les trous de l'incompétence que j'avais dans l'instrument que c'était censé maîtriser. Tu vois? Ambiance familiale, sur le plan affectif, comment ça se passe? Vous êtes à l'aise dans cette famille? Oui, franchement, beaucoup d'amour. Enfin. Vraiment, mes parents, j'ai des parents qui sont encore ensemble, tu vois, parce que maintenant, ça devient un exploit d'avoir des parents qui sont encore ensemble. C'est beau. Alors, vous grandissez dans la région de Lyon. Oui. Vos parents sont profs de sport, sont des grands sportifs. Votre maman est championne de France du 80 mètres. Ouais, je suis très fier. Grande championne, son record a mis 20 ans à être battue. Mais sauf qu'elle n'a pas été plus loin. Oui, parce que mes grands-parents ne voulaient pas qu'elle aille aux Jeux Olympiques, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit les jambes nues, en short devant tout le monde. C'est fou, hein, un destin qui tient à ça. Et alors, donc, parents profs de sport, donc on imagine qu'ils mettent les enfants au sport. Mais vous, c'est pas votre truc. Ah bah voilà. Ah bah, c'est drôle aussi. Déjà, vous voyez le petit ventre, pas beaucoup de cheveux. Moi, c'est le régime Churchill, no sport. Voilà. Donc, dès l'enfance, vous êtes attiré par quoi? J'adore la lecture, pas tout de suite, mais assez vite. J'adore prendre les livres disques de Walt Disney et puis de raconter l'histoire moi-même à un magnétophone. Et puis, j'essaye de dessiner des dessins animés, j'essaye de faire des films d'animation, j'écris des histoires. En fait, j'ai toujours écrit. Et donc, ce qui est assez hallucinant, c'est que vos talents d'écrivain sont remarqués assez jeunes. Oui. À 11 ans, j'écris mon premier roman parce que j'avais lu tous les Arsène Lupin qu'il y avait dans la collection de mon père. C'est énorme. Et je me dis, ça y est, Arsène Lupin est mort. Pas possible. Alors j'ai pris un gros cahier rouge, une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Eric Emmanuel Schmitt. Il écrit la suite. Énorme. Il a 11 ans. Voilà, 11 ans, premier roman. Et en fait, c'est très symptomatique. On écrit les livres qui nous manquent toute sa vie. Après, je ferai ma première pièce quand j'avais 16 ans au lycée. Vous recevez un prix? En fait, il y a un concours qui se passe dans tous les lycées de France. Vous savez, c'est le concours de la résistance. Alors, ce n'est pas la résistance aux profs, ni la résistance à l'effort. C'est l'évocation des valeurs de la résistance française pendant la guerre de 39-45. Et donc, j'ai eu le premier prix. Et quand j'ai reçu ce premier prix, il y a un résistant, Alban Vistel, qui me donne mon prix des livres, etc.
en me disant « Vous trouverez votre salut dans l'écriture. Vous êtes un écrivain, vous trouverez votre salut dans l'écriture. » C'est prophétique, ça. Oui, ça me... et à l'époque, moi, je ne rêvais que de musique. Et en fait, tout le temps, j'ai été diagnostiqué par les autres écrivains. Alors, au bout d'un temps, on finit par écouter les autres. Sauf que vous avez un flash en allant voir Cyrano de Bergerac. Oui, j'ai 11 ans. Maman nous dépose, ma sœur et moi, au Théâtre des Célestins à Lyon pour voir Jean Marais dans Cyrano de Bergerac. Elle n'a pas de place pour elle, donc elle se sacrifie et elle nous laisse aller. Et puis, je me laisse prendre par cette histoire de Cyrano, qui est un homme qui ne croit pas qu'il est aimé ni aimable. Tout le contraire du petit garçon que j'étais, qui était aimé et donc qui ne doutait pas d'être aimable. Et je crois que pour la première fois de ma vie, je m'intéresse à un être humain totalement différent de moi et je pleure sur lui. Et puis, comme je suis un enfant, je pense que je suis le seul à pleurer, donc j'ai honte, je me cache. Et au moment des saluts, la salle se rallume et je vois qu'il y a 800 adultes avec les yeux rouges et le nez qui coule. Tout le monde a pleuré. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose ici. On est ensemble. Et puis, je suis sorti et maman m'attendait. Alors, je lui dis que j'ai adoré. Et je lui dis, je voudrais faire ça plus tard. Elle me dit, tu veux faire quoi? Je lui dis, je voudrais être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et elle me dit, tu voudrais être acteur comme Jean Marais? Et je regarde la fiche, je lui dis, non, Edmond Rostand. Parce que je m'étais dit, c'est celui qui a raconté cette histoire qui a fait pleurer tout le monde. Et ce petit garçon qui deviendra le dramaturge le plus joué, le dramaturge français le plus joué dans le monde. C'est énorme. L'histoire, ouais. Elle est énorme. Tu sais, c'est des révélations comme ça. Puis cet amour de la langue qui est comme une musique. C'est-à-dire cette façon de peser chaque mot. Moi, je suis amoureux de la langue française. Mais amoureux, c'est ma partenaire de vie. Toute ma vie, je vais vivre avec elle. C'est souvent elle qui gagne, c'est pas moi. Ça vient aussi de famille aussi, parce que je m'appelle Schmitt. C'est une famille alsacienne. Mes grands-parents parlaient alsacien et allemand. Mon père a été le premier à parler français sans accent. Donc il avait cette... comme un immigré à l'intérieur du pays, puisque l'Alsace a été allemande, française, etc. Et donc il avait cet amour du français presque excessif. C'est-à-dire il parlait un français d'une correction incroyable. Et j'irais même, il parlait à des étages de la langue qui ne sont pas les étages ordinaires. Mon père parlait un français noble. Et par exemple, du coup, moi, quand j'étais petit, que dans la cour d'école primaire, je disais pas « je m'en fous », je disais pas « je m'en moque », je disais à mes camarades « peu me chaud ». Non. Si, si. Si. Mais non. Parce que mon père parlait comme ça. Et donc, moi, Cyrano, c'est chez moi, quoi. Je veux dire, c'est la maison. C'est « home ». Bon, on va parler de votre adolescence aussi, pendant laquelle vous forcez à être médiocre pour être comme tout le monde. Oh ben, l'adolescence, c'est pas un cadeau, hein. Une fois suffit, hein, merci. On va en parler dans un instant. D'accord. Vous avez des points communs, mais auparavant, la petite enfance d'Armel. Moi, je grandis en Champagne-Ardenne, dans un petit village. Et ma maman travaillait beaucoup, et donc j'ai été souvent chez ma grand-mère. Elle était polonaise, donc elle parlait français pas très bien, avec un accent, et ça faisait des trouvailles incroyables, parce qu'elle disait, si on prenait, on cueillait une fleur et qu'il fallait pas la manger, elle disait, mais tu vas pas te poisonner avec ça. Elle roulait les airs. Et puis, il y a une chose qui me fascinait, c'est que sa voisine, Madame Kitchak, était ukrainienne, elle habitait au bout du chemin, et elle venait chez elle, et elle prenait le thé, et elle bavassait pendant des heures. Et elle se comprenait très bien, parce que, apparemment, ce que j'ai compris plus tard, c'est que chacune habitait d'un côté de la Vistule, côté ukrainien, côté polonais. Donc elle parlait. Et moi, je ne comprenais rien, et ça me rendait dingue. Elle parlait en quelle langue, en polonais ? L'une en ukrainien, l'autre en polonais, j'imagine. Ce qui fait que, beaucoup plus tard, très peu de temps avant de perdre ma grand-mère, j'ai pris des cours de polonais. Et je suis allée la voir à l'hôpital peu de temps avant qu'elle meure, elle était dans une sorte de coma, comme ça. Alors je lui prenais la main. Et puis je lui parlais les quelques mots que j'avais eu le temps d'apprendre. Et je sentais qu'elle comprenait. Et c'était très émouvant. Voilà. Et puis, il y a une chose souvent, c'est quand on est enfant, on vit dans l'époque qui nous a précédés, puisqu'on est élevé par des gens, oui, qui, eux, sont à la mode de 20 ans avant, par exemple. Donc, j'ai l'impression, moi, d'avoir vécu dans la France des années 50. Et c'est marrant que vous disiez ça, parce que vous avez toujours eu le sentiment de ne pas vivre dans votre époque. Non, moi, j'étais toujours
connectée ailleurs, j'étais dans mon monde. Les gens des époques passées sont plus présents pour moi souvent que les gens qui m'entourent. Je me sens beaucoup plus proche d'eux, de leur façon de parler, leur façon de voir les choses, le langage. J'adorais les robes à crinoline, ça, je trouvais ça extraordinaire. Donc j'avais pris un torchon, je l'avais mis devant moi pour faire une robe longue. Et puis, j'étais très déçue parce qu'il tombait droit. Or, si, tout ça, ça tombe, ça fait comme ça. Et enfance sociable ou solitaire? Solitaire, moi, j'étais solitaire. Une grande rêveuse. Voilà, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours un livre dans mon sac, toujours. Pour moi, le drame, c'est de partir sans avoir un livre. Parce que dès que vous êtes coincé quelque part, pof, et on s'en fout. Et vous êtes ailleurs. Et on s'en fout. Et ça peut durer des heures. On n'est pas stressé, on ne s'énerve pas. Et voilà, et on est libre. Alors, je ne sais pas lequel des deux commence, vous disiez, il y a un instant, et là, je pense qu'il y a des millions de gens qui vont se reconnaître, l'adolescence, une fois, et c'est bon. Hein. Donc... Ah, vas-y, démarre. On t'a senti bien dans la lancée tout à l'heure. Alors, pourquoi vous dites que l'adolescence, ce n'est pas ce que vous avez préféré? Pourquoi Parce que, tu vois, moi, j'étais différent. Déjà, j'avais une voix, on aurait dit la Castafiore. Sur... Là, j'ai mué. J'informe les gens, j'ai mué. Mais... J'arrivais avant, c'était « Salut, ça va ?» Mais c'est vraiment ça, ma voix, si tu veux. Donc c'était comme... Mais même moi, je musais. Donc c'était ça. Après, on aura bien compris, j'étais pas Rambo. Donc évidemment, j'étais déjà vachement maniérée et tout. Comme j'avais une sœur, j'avais quand même plus d'affinité avec des filles. En fait, j'attirais la haine des gens de mon âge qui restaient justement figés sur « t'es ado, tu dois avoir 30 cicatrices sur la tronche et t'as mis avec des garçons et parler mal, en gros. » Et sortir avec une meuf aussi. Voilà, le package total. Voilà, c'était le bon. Et très nul à l'école. Et surtout pas être quelqu'un de sympathique. C'était l'archétype de l'ado, mec, réussi, si tu veux. Moi, c'était l'inverse. Et ça se traduisait comment, cette haine? Ça se traduisait comment? Ça allait loin. Ça allait que... oui, tu peux te faire insulter, parce que... C'était quoi, les insultes? L'insulte, c'était genre sale pédé, l'autre fiotte, le machin. Non, en plus... qui était quand même énorme, c'est qu'en plus, à l'époque, c'est véridique, tout ça, à l'époque du collège, je suis arrivée au collège en 6e, et en 5e, j'étais fou amoureux d'une fille qui s'appelait Laura. Mais fou amoureux, c'est-à-dire que cette fille, elle était à 15 mètres de moi, je devenais rouge écarlate, j'avais 2 de QI, incapable de lui parler. On me disait, oui, regarde celui-là, l'autre fiotte, machin et tout, alors qu'au fond de moi, j'étais seule, mais fou amoureux d'une fille, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un genre de mélange. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois? Et je ne voulais pas déjà à l'époque, mes contestataires, rentrer dans le truc, oh, je vais faire genre sortir avec une fille pour faire genre, ouais, moi je suis comme vous, machin. J'avais pas envie de ça. Et si tu veux, voilà, c'était ça, c'était les insultes, c'était... Moi, ce qui m'a le plus vexé, il y avait 2 bâtiments dans le collège. Donc il fallait traverser une rue qui était une rue piétonne, mais il y avait 2 bâtiments et tu avais une surveillante qui était toujours entre les 2 bâtiments pour surveiller, tu vois, qu'il n'y en ait pas qui se barre ou quelque chose. Et donc un jour, en traversant entre les 2 bâtiments, entre 2 cours, il y a quelqu'un qui me donne un coup, mais énorme, dans le dos. Et là, je tombe, mais vraiment, tu m'arraves bien. Le mec me crache dessus, enfin, balèze quand même, hein, devant tout le monde. Et t'as la surveillante qui est là, qui fait genre de pas voir, si tu veux. Et en fait, moi, c'était la désillusion de... Pour moi, l'adulte, c'était l'intelligence. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'arrive... Et donc, t'as ma pote, donc la Caroline, qui va voir la fille, qui dit « Mais attends, vous avez pas vu ?» Et là, la surveillante qui vient me voir dit « Qu'est-ce que je dise ?» Et là, c'est genre, bon, d'ores et déjà, je vais être obligée de défendre tout ce qui me semble injuste. Et ce qui est drôle, c'est que dans ma classe, au collège, tu veux, les gens m'aimaient bien parce que j'étais quelqu'un qui défendait tout le temps les gens qui se faisaient... opprimé ou contre le prof qui était trop sévère. Et donc, chaque élection des délégués, je me présentais jamais. Parce que, évidemment, je vais surtout pas être dans la lumière, alors je faisais tout pour qu'on m'oublie, si tu veux. Donc, c'était toujours allongé les murs, surhabillé en noir, pas gothique, mais surhabillé pas en flash, on va dire. Pour pas qu'on vous remarque. Oui, je me disais, si j'arrive, j'aurais que, je sais pas, un pull rouge, c'est un regard de pull de PD, il est rouge, tu vois, des trucs cons comme ça, quoi. Non, mais c'est réel, alors que j'aimais bien le rouge, l'orange, tu vois. Non, mais tu vois, j'étais très marginal un peu dans mon truc. Comment vous le vivez à cette époque-là? Ça a quelles conséquences sur vous? Ça rend triste, ça rend désespéré, ça rend comment? Ça rend... Honnêtement, ça rend triste parce que je me rendais compte que je voyais en fait toute mon adolescence défiler sans la vivre. Tu vois, je me dis, on m'a volé le moment où tu es censé découvrir, censé t'ouvrir aux autres. Et bon, on m'a volé complètement ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez son histoire?
Moi, j'ai une adolescence, j'ai pas ressenti ça, c'est-à-dire que je me sentais très décalée, mais je me disais pas qu'on me volait quelque chose parce que je me dis, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Donc ça, je m'en fichais. Ça vous était égal d'être différente, ce qui est rare quand on est adolescent. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est pas que c'est égal, c'est que de toute façon, on peut pas se forcer à être autrement que ce qu'on est. Mais vous étiez comment, là, pour qu'on imagine? Moi, j'étais très intello dans mes bouquins, mes machins, mes trucs. Je détestais les booms, les boîtes de nuit, tout ça, je détestais. Pourquoi? Ça. Parce que c'est comme s'il y avait une attitude qu'on est obligé d'avoir. On est obligé de s'amuser, on est obligé de ricaner bêtement, on est obligé de... Oh, c'est pas bêtement qu'on a ricané, j'espère. Je sais pas, mais... Même ricané. Éric Emmanuel en parle très bien dans son livre sur Mozart. Il dit que tout d'un coup, quand on est enfant, on se projette, on imagine, ça sera ci, ça sera ça. Puis après, à l'adolescence, ça y est, on y va vraiment. Ouais. Quoi. On ne peut plus faire de rêves. Il faut affronter le monde. Il faut affronter le monde. Ça ne se passe pas comme on pensait. On ne sait pas à quoi on va ressembler. Ça se met à pousser, jamais dans le bon ordre. on dit qu'à l'adolescence, tous les bouts du corps grandissent, mais pas en même temps. C'est vrai. Donc... Là, je vous imagine avec ça. Et vrai. Puis après, il y a les premiers émois, les garçons, tout ça. Et moi, j'étais un peu comme un personnage de Molière qui s'appelle Bélise. Ah, c'est-à-dire qu'elle croit que tout le monde est amoureux d'elle. Elle fait « Oh, mon Dieu !» Vous racontiez des histoires. Et puis, je me faisais tout un cercle dans ma tête et tout. Je courais dans la... Je courais. C'est-à-dire ? Et je courais. Mais je comprends pas. Parce que je veux toujours courir. Je comprends pas, je comprends pas. Parce qu'on court. On court parce qu'on est poursuivi. Ou parce que... Vous étiez adolescente, vous mettiez à courir. Parce que dans les romans, on courait ça, en fait. Oui, je sais pas. J'étais dans mes histoires, mes trucs. J'étais très romantique. Je me souviens, il y avait un garçon que j'aimais bien. Alors. Je faisais du piano à l'heure du déjeuner. J'avais le droit de jouer sur un piano à l'école. Et j'avais calculé qu'à 13h20, il passait. Alors, à 13h18, je commençais à jouer un truc que je trouvais très beau. Et puis, il passait. Et je me dis, peut-être qu'il va entendre. Voilà. Bon. Et c'était une déclaration, déjà. Éric Emmanuel, pourquoi vous reconnaissez dans l'histoire qu'on vient d'entendre, dans l'histoire de... Ah bah oui, je trouve que l'adolescence, en fait, c'est un deuil. C'est le deuil de l'infinité des possibles qu'il y avait dans l'enfance. Quand on était dans le grenier, comme ça, on pensait que tout pouvait arriver, quoi. Qu'on pouvait faire tous les métiers du monde, qu'on aurait toutes sortes de corps. Mais voilà, c'est l'âge des pulsions, et les pulsions, on les subit. Alors on découvre ça, cet univers de pulsions. J'ai détesté découvrir l'autorité que les autres avaient sur moi. Je trouvais ça totalement injuste. Et puis j'ai fait la vraie dépression de l'adolescent, quoi. C'est-à-dire ? Plus envie de vivre, envie de fuir. Alors, il y en a qui s'enfuient dans l'alcool. J'avais des copines qui étaient comme ça. Il y en a qui s'enfuient dans la drogue. Ça, il n'y en avait pas autour de moi. Vous avez fait quoi, vous ? Moi, je voulais me suicider, ouais. Ah ouais, j'avais tout bien préparé. C'est-à-dire ? Oui, dans moi, c'était j'avais prévu de faire ça dans le bain... Comme je faisais du latin, j'avais vu que Sénèque s'était ouvert... quand même, il faut faire chic, mais jusqu'au bout. Sénèque s'était ouvert Vraiment, j'étais tout le temps en train de me dire, bon, allez, je m'en vais. Pas genre à quel âge ? 15 ans. Ouais, je trouvais ça insupportable. Qu'est-ce que vous aviez envie de fuir ? C'était pas aussi merveilleux qu'on m'avait dit. Moi, les autres ne me faisaient pas subir des choses, mais... Vous savez, on est un peu con à cet âge-là aussi, on trouve tout médiocre. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partir. Qu'est-ce qui vous retiendra ? C'est un truc de fou. Hein. Et c'est la musique. Et c'est Mozart. C'est ce que je raconte dans le livre « Ma vie avec Mozart ». Un jour, un prof nous emmène à l'Opéra de Lyon assister à une répétition des Noces de Figaro. C'est sous une lumière comme ça de service, chanteurs et chanteuses sont en costume de ville, le décor n'est pas installé, il y a juste un piano dans la fosse. Je trouve ça moche, ça m'ennuie, tout m'ennuyait. Et puis tout d'un coup, il y a une très grosse femme qui est rentrée sur scène, mal habillée, mal fagotée, maladroite, enfin, vraiment une baleine échouée, quoi. Et je m'emmerde. Et puis elle se met à chanter. Et alors là, c'est... Le ciel s'ouvre. Je me dis, attends, s'il y a des trucs aussi beaux que ça sur Terre, je reste. Mais non. Mais je te jure. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a autre chose derrière tout ça. C'est la renaissance du désir. C'est-à-dire que Mozart, c'est pas que Mozart. Mozart, c'est la beauté du monde derrière.
C'est tout ça qui m'était rendu par cette musique. Sur le moment, je ne le conceptualise pas. Non, c'est ça, je sais sur le moment ce que vous non, ressentez. Non, je ne le conceptualise pas, je le sens. On l'écoute et vous nous dites ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ça joli, je trouve ça joli, mais de là à imaginer que ça sauve une vie, même si c'est très bien chanté. Bah, la beauté sauve. Moi, j'ai vécu la même chose avec le Stabat Mater de Pergolèse. Voilà. C'est exactement ce que décrit Eric. Ça peut être un tableau, c'est-à-dire c'est pas tout de vivre, il faut avoir des raisons de vivre. Alors bien sûr, l'art sauve. Ça fait, c'est con, ça fait toujours un peu bourgeois, prétentieux de dire des trucs pareils, mais c'est vrai pour tellement de gens cultivés ou pas cultivés. Et alors, vous disiez que vous avez été encouragé dans l'écriture, par exemple. Il y a quand même eu une prof de français, Mademoiselle M. Mademoiselle M. Devenue Madame Paul. Non, mais Mademoiselle M, oui. Elle vous met des bonnes notes, mais elle vous dénigre quand même. Voilà. Ben, on est juste après mai 68. C'est une époque où il y a un mai 68 bien compris et un mai 68 mal compris. C'est-à-dire, y a, dans certains collèges, c'est quand même le nivellement par le bas. Il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse. Donc, on rendait des rédactions. Alors moi, elle était obligée de me mettre 16, 17, etc., 18. C'est bon, ça. Et elle me mettait avec des annotations dégueulasses, désagréables. Très bien, mais vous cherchez l'originalité à tout prix. Très bien, mais ce n'est pas réaliste. Et puis alors, à côté, mon meilleur ami, on a été sur le même pupitre, lui, il est toujours 8, 9, 7. Le jour où il a eu 11, elle a pris sa copie, elle l'a lu à toute la classe. Et là, moi, j'ai été halluciné. Je me suis dit, alors moi, j'ai 17, mais je suis une merde. Et il ne faut pas... Et lui, le jour où il est mauvais, c'était mon ami, hein, par ailleurs, et le jour où il a 11, on lit son truc, je me suis dit, là, c'est vraiment un monde de fous. Et je me suis mis à être moins bon en classe, pour avoir la paix. Heureusement, après, elle m'a sorti de là, ma mère, et elle m'a mis dans un lycée où, au contraire, on pratiquait l'excellence et tout. Et tout. Alors, je me suis déchaîné, j'étais très heureux après. C'est déchaîné, j'adore, c'est énorme. Je faisais, voilà, il n'y avait pas de honte à être bon. Mais c'est bien d'avoir ça dès l'enfance, parce qu'après, dans nos vies, de personnes publiques, d'artistes. Un artiste, c'est toujours quelqu'un qui est en quête de louanges. Est-ce que, par exemple, quand vous avez écrit une pièce ou un livre, ou quand vous avez reçu un prix, notamment à l'Académie française, est-ce que vous avez pensé à Mademoiselle M ? Je suis un peu mesquin, oui. Ah, ça fait du bien. Bah, ah oui, ouais. Évidemment. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire ? Bah, aujourd'hui, à 52 ans, quand je reçois un prix à l'étranger, je peux encore penser à cette salope. À cette idiote. Cette idiote, j'espère qu'elle nous entend. Qui vraiment, c'était, voilà, elle est tombée sur quelqu'un de suffisamment fort pour être résilient à part des trucs comme ça. Ouais. Mais je veux dire, j'aurais pu jouer la conformité et puis complètement me laisser tomber. Et puis après, quand on est perdu, on se fragilise vite, quoi. C'est... En tout cas, vous nous avez raconté plein de choses qui vous ont construit. Et si on s'arrête à l'adolescence, est-ce que je peux savoir juste quels étaient vos rêves, chacun ? Moi, je voulais être compositeur. Compositeur de musique. Je voulais être compositeur de musique, oui. Vos rêves à l'adolescence ? Mais c'est drôle, parce que c'est... Bon, c'est pas être Whitney Houston. Mais bon, moi, quand j'ai vu Bodyguard, en fait, pour moi, le rêve, c'est ce côté intouchable. Le côté, on fait partie d'une sphère qui est tellement ailleurs que du coup... Protégé. Ouais, on est protégé. Et pour moi, donc ça rejoint un peu mon truc. J'ai mais... vu comment elle a été protégée. Non, mais si tu veux, pour moi, Whitney Houston, tu vois, pour moi, une star. À l'époque, c'était une maison et un énorme portail automatique. Non, mais c'est très con. Attends, ça va si loin que, comme je veux surtout à faire ce métier-là et tout, au début, j'ai des apparts et tout ça. Et dès que j'ai pu, j'ai eu la baraque qui ne fait pas du tout celle de la taille de Whitney Houston. Hein. Et le portail mais qui j'ai eu un énorme portail noir automatique. C'est vrai. Et au moins, c'est genre, enfin, il est blanc pour le coup, mais c'était quand même l'accomplissement dans ma tête. Alors là, j'ai réussi mon coup. Non, mais c'est réel, hein. Mais c'est quand même balèze. Quoi. Il y en a qui rêvent d'avoir un jet. Non, moi, je veux un portail automatique. C'est bon, ça va. C'est accessible. Et vous, votre rêve ? J'avais super envie d'être bonne sœur. Et ça rejoint un peu ce que disait Christophe, c'est-à-dire qu'on est dans un monde clos. Protégé. Et on réfléchit pas à comment on doit s'habiller le matin. C'est vrai. Ah, c'est balèze aussi. Et... J'ai essayé de voir à quoi ça tient.
Oui, voilà, on met bonne son truc. Bonne sœur ou nudiste, alors. Il y a peut-être des bonnes sœurs nudistes, ce serait excellent. Non, et moi, je me souviens, petite, j'adorais les bonnes sœurs. On fait du miel, des gâteaux, tout ça. Et on court. Et on court, on conduit ça à deux chevaux. Et je trouvais ça pas mal. C'est super chouette. Merci. Only playfuls falling from a unit tree. My time has come to live to quit, but I don't know where. Mais enfin, général, pourquoi fallait-il se mettre en botte? Vous savez quoi? J'ai envie de vous faire la surprise. C'est un quart d'heure d'ici, je pense que vous allez adorer. C'est beaucoup d'informations, ça répond à votre question? Non. Bon, qu'est-ce qu'il peut conduire? Est-ce que, vous savez, Éric Emmanuel, vous savez conduire ce genre de voiture? Moi, je ne sais pas conduire. Ah, vous n'avez pas le permis? J'ai pas le permis. Moi non plus, je ne sais pas conduire. Alors, vas-y. Vous avez le permis? T'as pas le permis non plus? Ah, bah lui, il est fils d'auto-école. Hein. Tes parents te regardent. Hein. Quoi? Tes parents te regardent, mais... Oh là 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 là, le travail. Éric Emmanuel, vous mettez à côté, peut-être? Ah, ça cale. Il y a un petit starter là, il faut mettre à droite. Là. Oh là 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 là. On va en chier. Vous êtes en marchant, vous êtes en quatrième, non? Mais non, regardez. Ah non, je suis en deuxième. C'est plus vrai. Facile que la barque quand même, non? Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun. Oh là là. On va encore ramer. Tu vois. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous allez bien? Mais très bien. Bienvenue. Bonjour, c'est pas de vous qu'on a peur. Hein. Éric Emmanuel. Non, j'espère bonjour. Bien, bonjour. Armel. Christophe, Armel. Bonjour. Vincent. Faut mettre les gilets? Bien sûr. Pour la sécurité. C'est moche, ça va avec rien, mais ça peut sauver des vies. C'est pas de moi la formule. C'est de qui? C'est du grand Karl. Je pense qu'on est dans le thème au niveau stylisme. Il y a une différence d'effort si on est à l'avant ou à l'arrière? À l'arrière, on en fait beaucoup plus. Je vais me mettre à l'arrière. C'est bon? Down on creation and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been. Mais on est d'accord, c'est incroyable de glissade. Ça, c'est incroyable. Je viens le dire. Donc Christophe Willem, vous êtes en train de me dire que vous aimez le canoë? Écoutez, je pense que je vais me reconvertir. J'ai l'impression qu'on est indien et qu'on va attaquer un village de cow-boys. Tu vois, regarde les garçons, l'esprit de compétition, déjà, ça y est, ils accélèrent. J'adore. Bah quand même. Quoi? Quand même. Quand même, non? On s'est pas foutu de notre gueule au niveau de la vitesse. À la claire fontaine, mon allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. On vous rejoint, vous? Ouais, on va se mettre là. D'accord. Les uns et les autres, là, c'est la première fois que vous pêchez? Ouais. Moi, j'avais un grand-père qui pêchait comme ça dans le Rhône et il savait pas nager, donc régulièrement il tombait dans l'eau et tout le village accourait pour le repêcher, etc. Et il passait pour un grand homme simplement parce qu'il savait pas nager et qu'il survivait à chacun de ses accidents. Et vous, Armel, la pêche? Bah, parfois, on allait à la poissonnerie. Bon, on a parlé de l'enfance et de l'adolescence. À l'adolescence, c'est quand même la découverte de l'amour. Il nous pose des questions comme ça quand on a... On tient une canne, parce qu'on doit avoir un symbole ou quelque chose. Non, non, mais je sais pas quoi. Il parle de l'amour du premier baiser. Non, alors là, vraiment... Il faut embrasser un poisson. Il y a des limites. Donc, racontez-moi comment vous abordez ça. Vous vous êtes entraîné avec une voisine ou une copine, c'est ça? Non, mais j'ai été utilisée par ma voisine qui voulait absolument sortir avec quelqu'un, mais je sais pas du tout comment on embrasse et tout. Et bah, du coup, on s'embrassait comme ça, en fait. Le premier baiser, c'était ça. Mais bon, il y avait absolument, de mon côté, aucun désir, aucun sentiment. Et elle non plus. Donc, c'était comme s'il lui faisait la bise, quoi. C'était quelque chose de très mécanique, quoi. La gymnastique du baiser, quoi. Voilà, exactement. C'était exactement ça. Vous en rappelez, la première fois? Premier baiser? Oh, bah, moi, j'étais lent, tardif. C'était l'année longtemps. Dernière. Oui, j'ai 21 ans, c'était à 20 ans. Premier baiser à 20 ans? Ah non, mais c'était une épouvante. Moi, j'avais tellement peur de tout ça que... Moi, non. C'était le fait d'embrasser, je trouvais quelque chose d'assez... anecdotique.
en fait, sous cette époque-là. Après, le fait de passer vraiment à l'acte, c'était vraiment le truc insurmontable. Ben moi, tu vois, je voyais pas les choses comme ça. Je me disais que embrasser, c'était juste le début du trajet, quoi. La locomotive était partie, il fallait que suivre. Alors, du coup, je me retenais de tout. Et puis après, je suis passé à tout, si tu veux. Mais j'ai jamais compris qu'on puisse, comme ça, s'approcher autant par le baiser, à rentrer dans cette intimité, sans aller au bout, quoi. C'est un truc... Ah, c'est pour ça que vous avez attendu, parce qu'il fallait faire un package, quoi. Bon, voilà, moi je voulais la totale. All inclusive. Non, mais c'est sûr qu'en plus, à un moment donné, on a des réactions physiques qu'on comprend pas toujours. Oh, bah alors moi, ça, j'ai vécu, ça. C'est-à-dire ? Première boum, j'avais 11 ans. J'étais amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Myriam. On s'est revus d'ailleurs il n'y a pas longtemps. On était aussi émus que quand on avait 11 ans d'ailleurs. Et voilà, elle avait organisé une boum dans son garage. Mais tout le monde a fait le garage. Voilà, avec le Tepaz. Avec le Tepaz, là, l'électrophone Tepaz. Et puis on a fait un slow. Et moi, je me suis demandé ce que j'avais, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un os dans mon pantalon. Et j'ai eu l'impression de ne pas être tout à fait normal. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre, enfin plusieurs mois en tout cas. Si c'était passé. Ouais. Et Armelle, c'était plus compliqué ou moins compliqué pour vous ? Non, moi je me suis laissée surprendre. C'est-à-dire ? Ben, moi je me dis, oh ben moi, c'est quelqu'un qui va m'embrasser et puis je lui donnerai une grande gifle. Et en courant. Ah oui, c'était romanesque. En courant. Et puis, j'étais tellement dans mon idée que ça se passerait comme ça, puis finalement, je me suis, au moment où je ne m'attendais pas du tout, il m'a embrassée derrière un piano. Derrière un piano ? Et vous n'avez pas mis de gifle ? Non. Ben non. Puis voilà. Passé comme une lettre à la poste. Mais c'est vrai, il a raison, Christophe, c'est plus l'idée qu'on s'en fait qu'après... c'est comme le sol élastique, on a peur avant, puis après... Une fois que t'es lancé, t'es lancé. On se lance, et puis hop. Non, mais... Non, moi, ce que je trouve, c'est dur, c'est l'étape, la langue. Parce qu'on ne sait pas... Dans quel sens ? Bah, est-ce qu'il faut la sortir, aller à droite, à gauche ? D'où l'entraînement avec la voisine. Parce qu'il y avait le générique là, du film de minuit, là, sur France 3... Ouais. Tous les baisers comme ça. En fait, la question que je me posais, moi, c'est bon, ok, mais après, ça doit durer combien de temps et on fait quoi ? On reste comme ça ? Et est-ce qu'on peut respirer ? Et on a peur de mordre. Bon, on rentre tranquillement ? Ouais. Attends, je relève. Ramé ? Ouais. J'ai trouvé un super livre d'histoire de France. Moi, j'adore l'histoire de France parce que dans l'histoire de France, il y a l'histoire. Ça raconte des histoires. Et donc, il est beau, c'est une belle édition. Il y a plein d'illustrations, des gravures, tout ça. Et j'adore parce que... Mais en vrai, vous lisez des livres comme ça ? Oui, oui. Moi, j'adore l'histoire. D'abord parce que pour comprendre le temps présent, c'est bien de comprendre ce qui s'est passé avant nous. Parce que tout ce qui nous arrive maintenant, c'est pas le hasard. Et puis... ça fait rêver, ça raconte plein de trucs. Et puis dans la vie d'aujourd'hui, il y a plein de signes d'autrefois qui nous sont tout le temps envoyés. Les noms des rues, les noms des endroits, les noms de famille, les traditions, pourquoi on fait ça, à telle date, tout ça. J'aime beaucoup ça. Je vais m'occuper des aubergines à la parmesane. Alors. Et je vous confie le poulet, les pommes de terre. Et la salade. Et la salade d'orange. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini, moi, je vous rejoins. D'accord. Vous devez commencer, d'accord ? D'accord. On va les faire griller quand même.
Moi, je te préviens, je suis lent. Hein. Alors, tout à l'heure, je disais que votre point commun, c'est que vous aviez vécu une enfance où vous aviez connu et, ou le rejet ou l'humiliation, des choses comme ça. Et l'autre point commun, c'est qu'avant de devenir comédienne, écrivain et chanteur, vous avez fait autre chose. Et notamment, vous étiez dans la transmission. Vous avez tous donné des cours. Ah ouais ? Tu donnais des cours de quoi ? Moi, j'ai donné plein de petits cours en français, en latin, en grec. L'espagnol, je l'ai appris en donnant des cours, en fait. J'étais comme Rousseau qui apprenait la musique. Ouais. Il avait un cours d'avance sur son élève. Et moi, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je donnais des cours à une jeune fille. Donc, elle recevait les cours par correspondance. Elle me les donnait. Moi, je les étudiais. Et j'avais juste un cours d'avance. Et c'était super. Quel âge vous avez à ce moment-là ? Ben, j'avais, je ne sais pas, 19-20 ans, je pense. Christophe, vous, après le bac, vous entreprenez quel genre d'études ? J'ai fait d'abord du droit. Ouais. Après le droit, j'ai fait de la communication. Ouais. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait genre ouvreur dans des théâtres. Ah. J'ai fait genre babysitter. J'ai fait. J'allais travailler à l'auto-école de mes parents, genre le week-end. Je gardais le bureau, des choses comme ça. Un jour, j'étais à côté chez moi et je vois un prospectus justement d'un stage de gospel à Sarcelles. Et c'était un stage sur 2 jours. Et donc j'y vais avec des amis en disant tiens on va voir ce que ça donne. Et là j'arrive et je vois cette fille qui avait une voix mais de dingue, vraiment de dingue. Et voilà, elle pose 3 accords, son mari travaille avec elle. Et elle commence à faire 3 accords comme ça vite fait. Et là elle sort un truc mais d'une beauté, enfin vraiment l'âme, tu vois l'âme de quelqu'un. Pas quelqu'un qui cherche à faire genre, pas quelqu'un ouais, qui cherche à... Ouais. J'ai adoré et du coup je lui dis est-ce que tu donnes des cours, est-ce que tu fais d'autres choses. Elle me dit écoute oui j'ai une chorale qui était à Place d'Italie. Alors, c'était une chorale adventiste. Et je suis arrivé là-bas, j'étais seul blanc. Dans la chorale, c'était assez drôle, j'étais seul blanc. Et je suis tombé sur des gens hyper ouverts, hyper accueillants, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment appris justement le travail de chant à plusieurs voix et de chanter vraiment, apprendre ce que c'était de chanter avec son âme, tu vois, et pas juste chanter bien. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes dans cette chorale, et des chorales, il y en a des milliers en France, ouais. D'accord ? Et c'est dans cette chorale que vous êtes remarqué par des gens qui veulent faire un film, une comédie musicale. Et là, vous résistez, c'est-à-dire que vous leur dites non. Mais en fait, en plus, le mec arrive en me disant « Bonjour, je travaille chez telle maison de disques. » Donc un gros truc. Un gros, gros truc. Et le mec, il me dit « Écoute, voilà, on serait vraiment très intéressés que tu viennes passer le casting et tout. » Et moi, réellement, à ce moment-là, tellement pas confiance en moi, tellement je me trouvais mais hideux, je dis « Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux ? Je vais m'exposer. » C'est quoi qui est terrible ? C'est l'idée de s'exposer au regard des autres. Déjà, oui. Après tout ce que vous avez vécu dans l'enfance et l'adolescence. Il y a le truc de dire, mais il faut quand même être suicidaire. Genre, mais il faut quand même être suicidaire par rapport à tout ce qui s'est passé, se dire, bonjour, je vais aller me mettre dans un film maintenant. Mais tu vois, il y avait un côté, mais improbable. Et donc, j'ai tout essayé. J'écoute, vous trouvez n'importe quel acteur, je fais ça synchro de voix, je vous demande même pas d'argent, mais j'ai sorti tout un tas de choses. Là, vous dites, je fais juste la voix, mais quelqu'un d'autre à l'image. Je fais juste la voix, je fais tout ce que vous voulez, mais je ne veux pas être à l'image. Réellement, je dis ça à ce moment-là. Et il revient à la charge. Et il revient. Certes, je rechigne à y aller et tout, et je dis non, c'est pas possible. En même temps, tu dis, il y a quand même un petit signe du destin. Oui, quand même. 3 fois affilée. Et donc là, tous mes amis, toute ma famille, ils me disent, vas-y, tu verras. J'arrive donc à ce fameux casting. Je sortais de la fac, et là, je vois plein de gens dans la salle d'attente, tous avec leur agent et tout, leur manager et tout. Et la directrice du casting arrive, fait, ah, Christophe, viens. Là, je vois tout le monde autour de moi qui est en allure de me voir passer comme ça. Et là, je me rencontre donc le producteur, Maxime Nouchi, qui avait fait la musique du film. Et là, j'hallucine. Le mec qui me dit bah, « T'as ramené un PBO ?» C'est une bande-son pour chanter dessus. J'ai dit « Mais c'est quoi un PBO ?» Enfin, moi, je découvre vraiment le truc, quoi. J'avais 19 ans. Il y avait un piano. Il me dit « Bah, je sais pas, je peux faire un truc au piano si vous voulez, vite fait, quoi. » Et là, je me souviendrai vraiment, je fais le truc au piano. C'est colère. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Je fais ça. Donc au piano, je fais 3 accords, 3 trucs. Et là, je relève la tête et je vois tous les gens derrière le bureau, genre, qu'un sourire comme ça. Ah oui, définitivement, il faut. 2-3 jours après, je leur dis non. Dis-moi, écoute, Christophe, qu'est-ce qu'il te faut ? Si tu veux, on est prêt à créer un personnage qui est hyper timide. Comme ça, on te verra très, très peu, mais on t'entendra chanter. Tu seras sur l'album. Non, mais il me sort ça. Ce sont des gens qui ont du flair, quand même. Hein. Mais c'est drôle. Attends, et là, je dis, écoutez, c'est simple. Si vous voulez que je le fasse, c'est simple. Je demande tant par jour.
Mais vous demandez quoi en croyant demander beaucoup? J'ai mis un truc quand même balèze. Genre par jour, je demandais 1500 ou 2000 euros, un truc comme ça. Il y avait quand même, je sais pas, 30 ou 40 jours de tournage quand t'as rien fait. Tu sais, quand t'as rien fait du tout, t'as ta fac, tu dis, mais attends, oui. C'est donc une blague. Donc vous vous dites ça en pensant les dissuader. Quoi, vous pensez les dissuader, quoi. Ah, mais moi, je dis, mais ils vont me dire, mais t'es sérieux, pauvre gars, mais tu rêves. Ils m'ont accroché au nez, quoi. Et je fais dans ce but-là. Et là, elle me dit, non, non, on accepte. Et là, j'avais plus d'arguments pour ne plus le faire, tu vois. Et je me retrouve à faire ce film. Ce film qui m'a valu 3 Oscars, comme tout le monde sait, évidemment. Donc, qui n'a pas marché, qui a passé un peu inaperçu. Ouais, mais carrément. Qui n'a pas eu de conséquences dans votre vie professionnelle. Aucune. Entre ce qu'on voit là et le casting de La Nouvelle Star, il se passe combien d'années? Et vous comptez faire quoi de votre vie à ce moment-là? Ça, j'avais 19 ans. La Nouvelle Star, j'avais 22 ans, 23 quand j'ai fait le casting. Alors, pendant ces 4 années, déjà, je suis hyper content de l'argent que j'ai eu avec ce film. Donc, je n'ai absolument aucun métier, parce que je suis étudiant et je loue un appart, évidemment, pour jeter mon argent par les fenêtres, pour faire « je regardais tout, j'ai un appart !» Mais un appart miteux. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mes études en abonnant dans le droit. Et je reprends mes études de communication, donc à Paris 8, Saint-Denis. Et j'adore. Je trouve ça passionnant, mais vraiment passionnant. Donc, pour de vrai, à ce moment-là, vous ne rêvez pas d'être popstar? Mais alors, du tout. Évidemment, mes études, l'appartement que j'avais, au bout d'un moment, l'argent s'épuise, donc je retourne habiter chez mes parents. Parce que c'est une cata. Et là, je croise quelqu'un. C'est une voisine qui me dit « Mon fils revient du Brésil et il est revenu avec un ami à lui qui est chaman. » Qui est un chaman qui est très connu au Brésil et qui fait des conférences en Europe. Et à ce moment-là, j'étais quand même un peu perdue. Je lui dis « Bon, je vais aller voir, quoi. » Et moi, j'étais hyper sceptique. Il y a un scepticisme. Il arrive, il dit « Bon, je vais te dessiner le portrait de qui tu es. » Ah, j'ai dit « Bah, allez-y. » Tu vois, mais vraiment comme ça. Il dit « Là, je vois qu'il y a un chemin. » Alors, c'est facile. Il me dit « Il y a un chemin, mais une forêt, un chemin très étroit. » Et il dit, je te vois, t'as un pied extérieur, un pied à l'intérieur, et t'es en panique totale, non pas de te perdre, mais de regarder tous les arbres autour qui symbolisent tous les gens qui ont les yeux sur toi. Sors ça. Il dit ça. Il sort vraiment. Et il sait rien de vous. Il me connaît pas. Non mais il me connaît pas. Le mec, il vient du Brésil, quoi. Il me connaît pas. Il me dit, parle-moi de ton adolescence. Et le mec, c'est un Brésilien. Il me sort en français, sans aucun accent, collège. C'est pas du tout une blague. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien de spécial. Je voulais absolument pas dire. Et là, il se met à pleurer, mais instantanément devant moi. Mais vraiment des larmes, et des chaudes larmes, quoi. Il dit, tu vois, tout ce que je suis en train de pleurer là, c'est tout ce que tu n'as pas pleuré. C'est fort, hein? Et si aujourd'hui, t'es bloqué, c'est parce que c'est encore à l'intérieur de toi. Et tant que ça sortira pas, tu pourras pas évacuer. Donc, il a deviné toutes les humiliations du collège, tous les sévices, les rejets tout. Des autres, etc. Toute ta souffrance, en fait, il la ressent. Tout. Il me regarde, il me dit, est-ce que tu fais de la musique? Je lui dis à demi-mot, j'ai joué un peu de piano. Et là, il rigole, il a un grand sourire, il me dit, tu vois, je vois tes parents. Il dit, non, c'est pas tes parents, je vois tes amis. Il dit, non, c'est pas tes amis. Il cherchait. Il dit, je vois des gens, et je peux pas t'expliquer. Il dit, je vois des gens, beaucoup de gens, pour qui tu vas être très important dans leur vie, que tu ne connaîtras jamais, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'avec ta voix, tu leur fasses du bien. Il dit, je sais pas de quelle manière, mais ta voix va être connectée avec la vie de beaucoup de gens. C'est balèze ou pas? C'est énorme. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que quand vous entendez ça? Moi, je pense que j'ai parfois eu dans ma vie des moments où je me suis dit que je pouvais lire le destin, quoi. Soit le mien, soit celui des autres. Je me souviens quand j'ai commencé, c'était pour Le Visiteur, ma deuxième pièce. On répétait pendant l'été. Je suis monté dans le théâtre et en me penchant entre le rang 2 et le rang 3, je me suis tout d'un coup vu projeté dans le temps. J'avais plus de 60 ans. Je revenais dans ce théâtre, et je me dis, ah, tu te souviens, c'est là que tu as eu ton premier triomphe. Et puis je me relève, je me retrouve comme j'étais. Et c'est ce qui s'est passé, ça a commencé comme un échec, et ça finit en triomphe, et ça a été le début de ma carrière. Autre chose inexplicable, c'est que vous, alors que vous étiez, un enfant, on l'a compris, dont on remarque tout de suite les talents d'écrivain, à 11 ans, à 15 ans, on se dit, bon voilà, il est parti pour être écrivain, ben non, on fait des études, agrégé de philosophie, c'est quoi, Cagne, Hippocagne, etc. Hippocagne, et normal sup. Voilà, des études, et vous devenez professeur ouais. Dans l'éducation nationale, et à 30 ans, lors d'un voyage, il se passe un truc qui est là aussi assez extraordinaire, qui va changer votre vie. Ouais, je fais un voyage au Sahara, qui est un voyage d'aventure, il s'agit de marcher 10 jours, on est un groupe de 10 personnes, il y a des chameaux qui portent la nourriture, il y a un guide Touareg. Et puis voilà, je me suis perdu. Quand tout d'un coup, je me rends compte que je suis vraiment au milieu de nulle part, puisque Taman Rasset est à 300 km, c'est le premier village, et que je me rends compte que oui, j'ai beau hurler, personne ne répond. C'est 7 heures du soir, le vent se lève. Ni à manger, ni à boire. Ni à manger, ni à boire.
Donc je me protège du vent derrière un rocher. J'ai froid parce que j'ai un short et un t-shirt. Donc je m'ensable. Pour... Vous aviez vu ça dans un documentaire ? Vous avez l'idée comme ça ? Non, j'avais vu ça dans un souvenir pieux de Marguerite Yourcenar. Non, mais c'est énorme, n'empêche. Ouais, c'est fou, hein ? Comme quoi la littérature, ça peut vous sauver. Ben, c'est ça. Non, mais attends, la littérature, c'est énorme. Et pourtant, Marguerite Yourcenar, c'est pas le manuel des Castors Junior. Et ben, il y avait un détail qui m'a servi. Incroyable. C'est dingue, c'est fou. Ouais, alors, je me m'ensable. Et puis je me dis, voilà, ça, je vais passer une nuit horrible. Je me dis, je vais avoir peur. Et puis c'est tout le contraire, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le contraire ? Le contraire de la peur, c'est la confiance. C'est-à-dire que je passe une nuit où tout d'un coup, je suis inondé par une confiance fondamentale dans ce que je ne comprends pas. Une confiance dans le mystère. Et tout d'un coup, quelque chose change dans ma façon de vivre au milieu du mystère. C'est-à-dire que jusqu'à cette nuit-là, je vivais avec angoisse, inquiétude. Et puis tout d'un coup, je suis toujours dans le mystère, mais j'ai confiance. Je me dis que s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça vient de moi. Ça n'est pas parce que le monde est absurde ou parce que la vie est absurde. C'est parce que moi, mon esprit est limité. Alors ça change tout. Et donc je passe ce qu'on appelle une nuit mystique, ou ce que Pascal appelait une nuit de feu. J'adore cette expression, nuit de feu. Et c'est ça, je suis irradié pendant cette nuit. Et à l'issue de cette nuit, je me dis, bon, ben voilà, maintenant, soit je vais mourir croyant, soit je vais vivre croyant. Mais en tout cas, je n'ai pas peur. Et le soleil se lève, je me rends compte qu'il est au-dessus de la montagne, donc je me rends compte que par rapport à la veille, ça signifie que je suis descendu du mauvais côté de la montagne, alors que notre oued dans lequel on avait fait le campement avec les chameaux était de l'autre côté de la montagne. Donc je passe la journée à remonter cette montagne. J'avais vraiment rien bu, rien mangé. Et puis je passe le col et puis je commence à descendre. Et là, le guide Touareg, avec ses yeux d'homme du désert qui voit tout, qui voit ce que les autres ne voient pas, m'a aperçu sur le chemin. Il est monté. Lui, il était dévasté. Et au-delà de la spiritualité, quelles conséquences cette nuit-là aura dans votre vie ? Ça change tout. C'est un truc à part qui m'oblige à tout casser. Ça va vous aider à devenir écrivain ? Oui. Accepter. Oui, c'est gênant de dire ça, parce qu'on se dit ce type, il est écrivain parce qu'il se croit inspiré. Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est que ça m'a unifié. À partir du moment où il y a eu cette expérience, j'étais un. C'était moi. Et puis, je me sentais une forme de légitimité. Je me disais, tiens, s'il peut m'arriver des choses aussi importantes, je peux peut-être prendre la parole et dire quelque chose. Vous quittez le métier de professeur pour... Ah non, alors, il se trouve que c'est à ce moment-là que je me mets à écrire. Tout ce que j'ai publié a été écrit après. Non, mais c'est énorme, je trouve. Est-ce que tu as été habité par quelque chose ou est-ce que simplement le fait de te trouver face à toi-même, tu t'es dit que le divin était à l'intérieur de toi et que tu as pris conscience du respect que tu dois avoir pour ce que tu es et pour les autres. Cette expérience du désert, c'était à la fois une expérience de la transcendance, c'est-à-dire de quelque chose d'autre à l'extérieur de moi, et de quelque chose aussi que je trouvais en moi. Voilà. Vous ne parlez pas de religion, vous parlez de spiritualité. Oui, parce que, mais tu vois, moi ce qui était bien, c'est que ça m'est arrivé à un moment où je n'avais pas de religion, puisque j'étais dans un univers athée. Conclusion, je suis revenu du désert avec une curiosité pour toutes les religions au pluriel. Avant cette expérience du désert, j'étais une sorte de vieillard qui croyait tout savoir et avoir fait le tour de l'existence. Maintenant, je suis étonné et je pense que je mourrai émerveillé. C'est mon chemin. C'est beau dans la bouche d'un adolescent qui voulait mettre fin à ses jours. Oui, ça fait partie de la guérison. Elle était en plusieurs étapes. Ah oui, je suis passé résolument dans le parti de la vie. Ça, c'est sûr. Armelle, on vous laisse cuisiner, mais alors avec une confiance absolue. Mais Armelle, viens ici, on va prendre le relais. Non, mais dans l'Évangile, il y a une très belle histoire. C'est Jésus qui va voir Marthe et Marie. Il y en a une qui parle avec lui, et il y a l'autre qui fait la cuisine. Voilà, elle nous fait Marthe. Elle nous fait Marthe. C'est une belle histoire. Ouais. Moi, j'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup Marthe, moi, de toute façon. Et chacun est à sa place. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on vous connaît comme comédienne, mais vous n'y aviez pas pensé tout de suite. Au départ, vous étiez partie pour faire des études aussi. Donc, vous allez jusqu'en quoi ? Moi, j'étais partie dans les mêmes études qu'Éric Emmanuel. Ouais. La différence, c'est que je n'ai pas réussi le concours. De quoi ? D'agrégation, c'est ça ? Normal sup, ouais. En lettres classiques. Avant l'année de l'agrégation, j'ai un ami d'enfance, Godefroy, qui est devenu metteur en scène, qui a mis en scène une pièce pour la première fois. Et moi, j'avais une machine à coudre, parce que j'adorais les costumes. C'est quand même énorme, la phrase. Donc,
elle fait des... parce qu'on la connaît comédienne. Vous dites comment on passe de la machine à coudre à comédienne, parce que c'est quand même ça l'histoire. C'est que vous avez juste une machine à coudre. Pourquoi ? Ben moi, j'adorais les costumes, donc avec mon premier argent de poche, je me suis acheté une machine à coudre. Mais donc Godefroy m'a demandé de faire les costumes de sa pièce. Donc on était trois filles, toutes, du matin au soir dans son appartement, avec chacune notre machine, et on cousait. Et c'est énorme. C'était on voit toujours pas le rapport avec la carrière de comédienne. Ça qui est fort, non. La vie est pleine de surprises. Alors allez-y. Donc voilà, on fait nos costumes, tout ça, on papote, et surtout les comédiens viennent nous rendre visite pour essayer leurs costumes. Et puis ils répètent, on les voit répéter, ils racontent leurs histoires, tout ça. Et puis en les voyant faire, je me dis, oh, c'est pas mal quand même. Et je dois avouer que j'avais vu un film qui s'appelle Showgirl, où il y a une fille qui devient meneuse de revue à Las Vegas parce qu'elle jette des perles sous les pieds de l'héroïne qui se casse la gueule dans l'escalier, et du coup, elle prend sa place. Et vous aviez envie de leur jeter des perles. Et je m'étais dit, oh, comme j'ai, à force de regarder, je me dis, tiens, cette comédienne-là, quand même, si jamais elle est tombée malade, moi, je pourrais reprendre le rôle. Mais je ne le disais pas. Hein. Et puis, Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie d'être comédienne. Mais bon, ce n'était pas du tout à l'ordre du vous jour. Vous dites quoi. En chuchotant, parce que quoi, c'était honteux. Ben non, mais je faisais des études, on comptait beaucoup sur moi. On comptait beaucoup sur vous, ça veut dire quoi ? Ben ma mère, voilà, comme j'étais très 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 bonne élève, voilà, la question ne se posait pas, quoi. Donc on attend de vous que vous fassiez des études, voilà. Mais vous prenez des cours de théâtre en cachette. Alors du coup, l'année d'après, au lieu d'aller à l'agrégation, je suis allée en cachette au cours Périmonie. C'est énorme. Sans rien dire, j'ai tenu un trimestre. Et puis à Noël, j'ai avoué à ma mère que... Et elle a été géniale, hein. Elle m'a dit, écoute, c'est ta vie. À 25 ans, je ne te donne plus rien, tu te débrouilles. Donc déjà, je me débrouillais bien, hein. Je faisais des petits cours, je faisais un tas de petits trucs et tout. J'ai dit, ok. Et c'est bien parce que le pacte était super clair. Et donc, voilà, je prends mes cours, tout ça, je fais des petites figurations pour gagner des sous, tout ça. Et à 25 ans, moins un mois, premier contrat. C'est énorme. Et depuis, j'ai toujours gagné ma vie avec ce métier. Est-ce que c'est vrai que parmi tous les petits boulots, vous avez été mannequin de cheveux ? Oui, une fois j'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est mannequin de cheveux ? C'était un congrès de coiffure. Et donc, c'était très bien payé. On nous faisait des coiffures, des couleurs, des machins, et on devait défiler devant tous les coiffeurs. Après, on dînait avec tout le congrès des coiffeurs. On revenait avec sa petite couleur, on était contents. On revenait avec sa petite couleur. Ce qui est assez incroyable, Armelle, c'est que c'est vrai que le public vous voit comme une actrice drôle, mais vous n'étiez pas au courant que vous étiez drôle. Ça vous est là aussi un peu tombé dessus, malgré vous, sur scène. Vous avez cru faire quelque chose de dramatique. Oui, parce que la première fois que je suis montée sur scène au cours Périmonie, c'était un truc de fin de trimestre, il fallait passer une scène qui de Sacha Guitry, je crois, qui s'appelait Une lettre bien tapée. Il fallait jouer une secrétaire avec son patron qui lui dit que t'as un truc. C'est pas du carton qui avait créé ça. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, bon, alors il faut que je me fasse une petite tenue de secrétaire. Donc j'avais mis une jupe droite. Et puis hop, on arrive, j'avais répété avec un camarade et tout. J'arrive sur scène, on commence. Et hop, les gens se mettent à rire. Mais c'était pas du tout prévu, c'était pas spécialement drôle. Donc j'étais un peu embêtée, ça me déconcentrait. Mais j'ai tenu. Et il riait. Et puis à la fin, bon, je me dis, bon, j'ai dû rater complètement parce que moi, je voulais pas du tout que les gens rient. Je voulais être une secrétaire impeccable. Moi, j'ai toujours un côté bon élève, que ce soit bien fait. Et puis, après, au rapport, Jean Périmonie m'a dit, alors vous avez la vis comica, la force comique. Et je dis, bon, très bien. Et je crois que ma grande chance, c'est que je l'ai tout à fait accepté. Ça m'a pas... Et heureusement, d'ailleurs, je me rendais pas compte. Mon inconscience m'a protégée, parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas. Je connaissais personne. Si maintenant je devais le faire avec la conscience que j'ai, je serais terrorisée. C'est comme si j'étais partie sur un fil au-dessus du vide et puis pof, là, 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 là. Et hop, et j'arrive de l'autre côté. Voilà. En tout cas, ce que je remarque tous les trois, c'est qu'il y a des gens qui ont la vocation à 15 ans, qui savent ce qu'ils veulent faire. C'est que ça paraît tellement évident
On n'arrive pas à imaginer Armel faire autre chose qu'un métier d'artiste. Ouais, on n'arrive pas à vous imaginer faire autre chose, encore une fois, quand on sait ce que vous représentez aujourd'hui pour plein de gens. Bah, l'évidence, elle est toujours dans les yeux des autres. Moi, je dirais que dans les yeux des autres, il y a parfois l'évidence, mais il y a parfois aussi la contrainte. Je pense qu'on a tous eu la pression des parents, et comme on les aimait, on a voulu leur faire plaisir. C'était quoi votre pression ? Et les rassurer. Moi, ça a beaucoup compté. Je vais vous dire, c'est le jour où j'ai passé ma thèse. J'avais 27 ans à la Sorbonne. J'ai soutenu ma thèse de doctorat. Je me suis dit, bon, allez, maintenant c'est fini. Il y avait toute ma famille, etc., etc. C'est fini, je passe aux choses sérieuses. Je passe au théâtre. On en est où niveau cuisine ? Maintenant, c'est une question de temps. C'est juste que ça cuit. Non, elles sont pas là. Tombe la nuit, j'attends l'étoile. Sur un feu de paille. Oh, c'est super. Je pose un cerf. Je la mets au frais, qu'est-ce que tu penses? Oui, oui. Ouais, c'est bon quand c'est très frais. Il y a une place tout en bas. D'accord. Tu es d'accord, je mets un peu de grand marnier dedans? Ouais. La falaise me voit tant. Je ne sais plus rien désormais. Si je tombais. Les aubergines à la parmesane. Très bien. Donc c'est quoi la recette rapidement ? C'est des aubergines qu'on fait griller. Ensuite on met de la mozzarella, une sauce tomate, moi j'ai rajouté de l'ail. Et après, on râpe du parmesan. Et c'est le côté très grillé qui est bon. Messieurs, je suis ravie de dîner avec vous. Et comme je me trouve en très bonne compagnie, j'ai mis des boucles. Les boucles de Noël. Qu'est-ce qu'elle est bouclée ce soir ? Ce qui est bon, c'est le côté bien grillé. Conquête. Hein. Donc, Eric Emmanuel Schmitt. Avec qui nous sommes en train de dîner, donc, et le dramaturge français le plus joué dans le monde. Moi, j'adore le dire. Est-ce que vous aimez l'entendre ? Ben, oui et non. Oui, non, mais la vérité, c'est quand tu me dis ça, ça me gêne, et puis que j'ai vite envie qu'on passe à autre chose. C'est vrai. Oui, c'est drôle, parce que tu devrais être fier, enfin, tu devrais avoir un sentiment de... Tu d'avoir sais quoi accompli quelque chose de grand. Tu sais quoi, je suis fier quand les autres sont fiers. Moi, tout seul, j'y pense jamais. Mais alors, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que ça marche tout de suite ? Moi, j'ai presque envie de dire oui, parce que tout simplement, d'abord, il y a quelqu'un qui me sort de l'anonymat. C'était Edwige Feuillère, la grande actrice de cinéma et de théâtre. Que vous ne connaissiez pas ? Non, que j'allais voir avec maman à Paris. Et j'écris ma première pièce, La Nuit de Valogne. Je suis professeur à l'université, je ne connais pas du tout le milieu théâtral. Je ne sais pas ce qu'est un agent, je ne sais pas ce qu'est un producteur, je ne connais rien. Comment ? Et j'ai un ami qui me dit, j'ai l'adresse d'Edwige Feuillère, envoie-lui. Et je lui ai envoyé un moment de sa vie où elle était disponible. Et elle a lu la pièce. 15 jours après, elle m'a envoyé une lettre en me disant, c'est formidable. Puis si vous travaillez, vous pouvez devenir un grand auteur dramatique de votre époque. Mais il faut travailler, parce que vous avez beaucoup trop de facilité. Incroyable. Et puis elle m'ouvre toutes les portes, elle appelle les théâtres de Paris. Elle-même. Parfois je lui dis, mais Edwige, pourquoi vous avez fait tout ça pour moi ? Et elle me répondait, parce que c'était vous. Puis elle m'a rempli le cœur aussi, parce que quand elle ne me trouvait pas à la maison, elle me laissait un mot sur le répondeur. Allô, vous n'êtes pas là ? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas là ? Non, vous n'êtes pas là. Bon, eh bien, j'aurais aimé vous parler. Et puis, tant pis pour vous, je vous aime. C'est beau. Tant pis pour vous, je vous aime. Pour moi, c'est ça, Edwige. Deuxième pièce, donc. Un dialogue entre Freud et Dieu. Ouais, le visiteur. Voilà. Là, ça marche tout de suite aussi. C'est un truc de fou, enfin. Il y a quand même un dialogue entre Sigmund Freud et Dieu, peut-être. Ou c'est Dieu qui s'allonge sur le divan de Sigmund Freud parce que Dieu fait une dépression, c'est normal. le pouvoir d'un auteur. Bah oui, mais en même temps, Freud peut rien pour lui parce que Dieu n'a pas d'inconscient, de parents, de complexe d'Édipe, etc. Et puis, en plus, il se trouve que... Et Freud ne croit pas en Dieu, donc on est mal barré. Donc la soirée peut être intéressante. J'adore l'euphémisme. Et donc là aussi, succès public, succès critique. Et un Molière de la révélation théâtrale
avec un de vos... Et du meilleur auteur. Et du meilleur auteur, pardon. Ça, c'est celui dont je suis le plus fier. Et vous faites un discours ce soir-là très très joli. Le Molière est attribué à Eric Emmanuel Schmitt pour Le Visiteur. C'est la nomination la plus émouvante à recevoir. Il est auteur, il est acteur, c'est Le Visiteur, 8 fois nommé, mise en scène Gérard Vergès au Petit Théâtre de Paris. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Il y a quelques années, lorsque je faisais la queue au kiosque, parce que j'étais étudiant, je me souviens, il y avait une dame qui regardait son périscope et qui disait « Alors, dans le subventionné, on joue Tchekhov. Dans la banlieue, on joue Tchekhov. Dans le privé, on joue Tchekhov. Avec qui couche-t-il ?» Et effectivement, j'étais assez désespéré parce que je me disais qu'il fallait peut-être du talent pour écrire une pièce, mais sans doute du génie pour la faire jouer. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Il y avait des gens qui étaient très attentifs dans ce métier, c'est-à-dire des gens qui faisaient... Excusez-moi. Qui faisaient ce métier pour des raisons fondamentales. Et donc, je voudrais les remercier aujourd'hui. C'est toute l'équipe de production, mais avec surtout François Chantenay, qui a voulu ce spectacle. Et naturellement, les 4 acteurs. Et le metteur en scène, qui est celui qui a harmonisé toutes ces grâces, et qui est Gérard Vergès. Merci. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Oui, sur moi, ça m'émeut parce que c'était, je crois que c'est la première fois que je parlais à la télévision. Et ce qui est émouvant, c'est de se dire que on est là et que des gens vous ont aidé à arriver là, quoi. Et je vais vous dire, les gens qui avaient monté cette pièce, ils y croyaient plus que moi, parce que la pièce, c'était un échec au départ. La première recette, c'était 140 francs. C'était mes deux parents qui avaient acheté leur place. Le premier soir. C'était les seuls. La seule recette, c'était mes deux parents qui avaient acheté leur place. On a dû inviter des gens pour qu'ils voient la pièce, pour qu'un bouche à oreille se crée. Puis la critique est venue et nous a fait des papiers sublimes. Puis après, les médias sont arrivés pour en parler aussi. Alors, on peut pas raconter tous les exploits que vous avez accomplis, mais parmi ceux dont les Français se souviennent, c'est que vous avez réussi à faire remonter sur scène Alain Delon après 28 ans d'absence au théâtre. Ouais. Ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, vraiment, parce que j'adore cet homme et toujours. Bah, écoutez, j'avais écrit une pièce et en l'écrivant... Variation énigmatique. Variation énigmatique, c'était l'histoire d'un écrivain reclus dans une île de la mer de Norvège, prix Nobel. Et qui accepte la visite d'un journaliste. Et en fait, on va se rendre compte que derrière tout ça, il y a une femme que ces deux hommes ont aimée et qui peut-être n'est plus en vie. J'écris cette pièce et je pense à lui tout le temps, en écrivant le rôle. Et puis après, je la donne à Bernard Murat, le metteur en scène, et puis je lui dis, tu sais, j'ai tout le temps pensé à Delon. Il me dit, mais non, il ne fera jamais de théâtre, c'est pas la peine d'y penser. Et donc, il fait lire à 2 autres acteurs tout à fait connus, puis qui font la fine bouche, etc. Donc, je m'énerve. Je m'énerve et je dis, bon, ça suffit. Moi, j'ai pensé à Delon, on appelle Delon. Et puis, Alain Delon a reçu le texte le vendredi matin. Et le vendredi à minuit, j'étais dans ma maison de campagne, dont personne n'avait le téléphone. Je ne sais pas comment il a fait. Et il m'appelle en me disant, voilà, c'est la plus belle histoire d'amour entre un homme et une femme, et un homme et un homme, que j'ai jamais lu, et je veux la jouer. On écoute Alain Delon parler de la raison pour laquelle il accepte ce projet. C'est Guy Bonnet, pour ne pas le citer, qui m'a un jour a dit à Eric Emmanuel Schmitt, enfin, sois pas stupide, donne-la moi, je vais la lui faire lire. Guy m'a appelé, m'a donné la pièce un vendredi, je lui ai dit, écoutez, je vais l'emmener, je vais la lire pendant le week-end. Et puis je l'ai lu, j'ai commencé à ouvrir la pièce en arrivant chez moi le vendredi soir, et puis vous savez, j'ai quand même une petite expérience des pièces et des scénarios, comme vous d'ailleurs, sûrement des romans, je pense, puisque vous êtes des hommes de littérature. À la première page, on comprend tout de suite où on ferme, où on continue. J'ai continué jusqu'au bout, et à la fin, je l'ai relis. Je l'ai relu. Et puis après, il était minuit, effectivement, le vendredi soir, j'ai appelé Emmanuel Schmitt et j'ai dit textuellement, c'est un petit gars, j'ai dit, cette pièce, elle est pour moi et pour personne d'autre, et si je la joue pas, vous allez voir. Ah oui, vous voyez, là, vous voyez. Ça, je vais atténuer, Emmanuel. Oui, oui. Non, ça, c'est Delon. C'est ma version. Voilà. Oui. De l'entendre dire ça avec autant d'enthousiasme. Ah ben, c'est carrément, il m'a dit, je vais la jouer, et si ce n'est pas moi qui la joue, je vous tire 2 balles dans la tête.
Le gangster. Mais ça avait rapport à la pièce. Non, ça avait rapport à la pièce, puisque l'écrivain tire deux fois sur le journaliste. Donc, mais en même temps, j'adore, moi, quand on me parle comme ça. C'est énorme. Alors, Christophe, puisqu'on parle de succès, vous êtes un des rares gagnants d'une émission de Radio Crochet qui a eu du succès après. Donc, c'est quelque chose dont on est fier, ça ? Oui. Oui, quand même, un petit peu. Si, si. Un petit peu, parce qu'il y a quand même toujours l'angoisse première quand on sort de ce genre d'émission-là. Moi, j'ai fait vraiment à la légère. Vraiment, parce que c'est un concours circonstance, c'est ma sœur qui m'y a inscrit. Attendez, parce que c'est quand même énorme. On se rappelle que vous n'êtes pas résigné, mais en fait, voilà, cette expérience dans ce film que vous nous avez raconté, vous a pas convaincu d'être là-dedans. Vous ne voulez pas être dans la lumière, vous ne voulez pas être exposé, vous ne voulez pas être exposé au jugement des autres. Exactement. Et là, votre sœur organise un traquenard, elle vous piège. Complètement. Je viens de reprendre mes études de communication. Et ma sœur m'appelle, était enceinte, et son mari était en déplacement. Elle me dit, écoute, voilà... Il s'appelle Pedro. Elle dit, Pedro n'est pas là ce week-end et tout. Si jamais tu as envie de venir, elle habite à côté de Toulouse, bah viens, ça me fera plaisir. Je dis, écoute, très bien. J'avais des partiels qui étaient pas trop loin, enfin des choses assez importantes à faire à la fac. Je dis, bon, très bien. Donc je pars à Toulouse avec mes affaires, vite fait. Et j'arrive là-bas et son mari va me chercher à l'aéroport. Je dis, mais je comprends rien. Je dis, mais finalement, t'es là. Elle me dit, oui, finalement, je suis là. Finalement, ça s'est annulé. Et puis, je me doute absolument de rien. Et le lendemain matin, ils me réveillent tous les deux à 7 heures. Je dis, mais qu'est-ce que... Mais vous êtes complètement malade. Je dis, c'est quoi le délire? Non, non, on doit faire un truc à Toulouse et tout, vraiment. C'est une... On peut pas te dire, mais c'est ils un truc... rien, donc ils ne vous laissent pas vous préparer, surtout. Non, donc j'arrive en guenille. Oh, ce casting, non, mais tu vois... Non, mais j'arrive moi, quoi, tu vois. Et là, je vois M6, La Nouvelle Star, je vois les panneaux, je vois une file d'attente interminable. Et là, je un fou rire dans la voiture. Je dis, mais regardez tous ces gens... qui font la queue en croyant qu'un jour, genre, ils vont être des stars. J'étais vraiment dans ce truc-là, quoi. Mais c'est vraiment, c'est réel. Et donc, ils me parlent, ils disent, bah, allez, machin. Et là, j'arrive à trouver l'astuce, j'ai écouté très bien. Je fais le casting, si vous deux, vous le faites aussi. On en rigolera avec nos potes en rentrant ce soir, en disant, non, mais attendez, vous savez pas ce qu'on a été faire cet après. Voilà, c'était vraiment ce but-là. Et là, je vois, j'étais juste avant d'entrer dans le casting, tu voyais, les 5 candidats suivants voyaient ce qui se passait dans le casting. Et je vois un candidat juste avant moi se faire mais détruire. Mais alors, mais laminer. Et là, j'étais en panique, j'ai mis, oh, c'est une blague. Je dis, mais attends, mais moi, je suis pas venu là pour me faire détruire comme ça. Je dis, à un moment, t'aimes la musique ou tu l'aimes pas. C'est pas la peine, sous prétexte de faire de la télé, d'aller casser les gens comme ça. Je dis, ça se fait pas. Et moi, à ce moment-là, j'arrive dans le truc, genre tête baissée, genre à fond, genre bon, on va voir ce qui se passe. Et voilà ce qui se passe. Yeah, you know you've tried. Oh yeah. Are you strong enough for love? Are you strong enough for peace? Are you strong enough to die? And tell me why. Cause down, down in a city, yeah. Le moment de solitude. Le vrai moment de solitude. Après, j'ai Marianne James en face de moi. Elle a dit, là, vous chantez. Et juste, je comprends pas ce qui se passe dans la pièce. Me catcher qui dit, tout est dit. C'est oui. Et voilà, et là, je sors du casting. Et donc, j'ai les 4, oui, donc j'ai 4 membres du jury. Et là, je me dis, mais dans quoi je suis barrée? Non, mais réellement, parce que... Mais les partiels. Mais non, mais justement, alors là, je sors de la salle de casting, je vois la production qui se bon alors. Après, il y a une autre étape qui s'appelle l'étape du théâtre. Je sois à Paris de telle date à telle date et tout. J'ai dit, moi, j'ai des partiels à ce moment-là. J'ai dit non. Tu vois, c'est genre, bah non. Tu vois, et là, ils me disent, bah non, mais à un moment, c'est le but. C'est, tu fais une émission, tu sais pas si tu vas garder ou pas. Maintenant, est-ce que tu crois en toi ou pas? Et à cette question, c'était quoi la réponse dans votre tête à ce moment-là? À ce moment-là, ma réponse ultime, c'était de me dire, c'était pas de gagner. Ma réponse utile, c'est de me dire, si je peux savoir ce que ça fait, ne serait-ce qu'une fois. Juste d'avoir un micro et de vraiment être travailler 5 secondes avec les gens, les vrais gens. Alors regardez, c'est quand bizarre. Il arrive avec les vrais gens, les vrais professionnels, on est en direct à la télévision, donc il passe donc de sa chambre à des millions de téléspectateurs, sa première chanson, première apparition devant un public. Regardez ce que ça donne. Pourquoi vous rigolez? Mais je rigole parce qu'en même temps... D'abord, le garçon timide, on le voit pas là. Hein. Non. Mais alors, je vous explique. Au moment où il a démarré le piano, ça démarrait qu'au piano, il y a deux options.
ou je fais demi-tour maintenant, parce que je m'écroule, je vais me pisser dessus. Enfin, non, mais réellement. Il y a quand même à un moment donné. Lui, soit c'est ça, ou soit je dis, écoute, y va. T'es dans ton salon comme tu faisais avant, t'as ta télécommande, sauf que là, il y a des gens. Non, mais réellement. Et quand je vois ça, ou quand je rigole, parce que je vois une vraie insouciance qu'à la rigueur, je pense, si je fais mon autocritique, que j'ai perdu. Oui. Quand je vois ça. Maintenant, tu sais qu'on te regarde. Je me dis, mais attends, aujourd'hui, on me dirait, tu vas faire une télé et tu te mets à danser comme un dingos. One, so, true, woo! À faire ça. Sans... Je dirais, mais t'es craqué ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'on fait quoi maintenant? Il y a un chorégraphe qui vous mais explique. Non, il n'y a personne. Mais parce que quand même, je trouve que quand t'es trop dans ce métier, à un moment, il faut lisser. Parce que tout le monde pense à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire et tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu t'effaces un peu trop. Ce qui est incroyable, c'est que là, vous êtes un gamin. Vous avez quel âge à ce moment-là? 22, 23. 22 ans. 23. Le public donc décide que c'est vous le gagnant. 23. Vous retrouvez face à des grands patrons d'une major, d'une maison de disques, qui eux ont prévu, hein, parce que c'est comme ça. Hop, les gens vous aiment en ce moment. Il faut aller très vite. Voici des chansons. Il faut choisir dedans. Et là, comment ça se passe? J'ai moi-même rencontré Zazie et je ramène Double Jeu. Hyper fière, parce que moi je me disais, mais ça c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose qui s'entend pas en ce moment. Et quand je ramène Double Jeu, j'entends, je ne dirais pas de qui, mais j'entends quand même de quelqu'un qui dit ça, c'est vraiment la pire chose que j'ai entendue. Donc en nous regardant bien, jamais on mettra ça en single. Et après, quand on m'a remis le disque de diamant, au bout d'un an, il y avait quand même cette même personne au même endroit, je dis, qui l'eût cru pour un titre qui était quand même la pire chose qu'on ait jamais entendue? Et ça a quand même fait plaisir de la replacer. Si mais alors surtout, Victoire de la musique. On vous regarde avec ce titre aux Victoires de la musique. Qui a la victoire? Alors ne faisons pas plus durer le suspense. Christophe Willem, Double Jeu. Bravo Christophe. Voilà, déjà je fais un très très gros bisou à Zazie. Mais énorme. Elle est belle, hein, je trouve. Ouais. Et elle te le renvoie. Voilà. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. Double jeu. À qui la faute? Je suis l'un et l'autre. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Oublier. Mais moi, quand je vois ce garçon qui est applaudi par toute la profession, qui n'est pas une profession gentille, encore une fois, où les gens sont contents que vous gagnez, où on vous voit avec des chanteurs, des danseurs, des belles lumières, des vrais micros, moi, je pense à l'adolescent qui se faisait tabasser, quand même. Ah oui, non, mais évidemment. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on m'insulte ou on est sur mon dos tout le temps parce que je suis maniérée, parce que j'ai une voix aiguë. Et tout ce qui m'a été dit ou reproché fait qu'aujourd'hui, on m'aime. C'est comme balèze au moment où tu le vis. Mais au moment où tu le vis, tu ne te rends pas compte. C'est Cocteau qui disait cultive ta différence. Cultive ce qu'on te reproche, c'est toi. On va parler de la singularité d'Armel. Mais je pense qu'on va le faire en mangeant du poulet. Oui. Hein? On va chercher le poulet. J'aime bien le poulet et très cuit. J'adore le poulet. Oh là là, ça a l'air canon. Cultive ta différence, c'est toi, disait Cocteau. Vous, Armel, on a le sentiment que vous avez toujours cultivé votre différence. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est pour ça que même avant d'avoir des rôles importants, on se souvenait de vous dans les films, dans Les Visiteurs. On se souvient de vous dans Amélie Poulain, c'est quand même elle qui transporte, vous vous rappelez, l'hôtesse de l'air, le nain de jardin qui le transporte partout dans tous les pays. Moi, quand j'ai obtenu le rôle, je me suis dit, chouette, je vais aller dans plein de pays. Et puis après, quand j'ai compris que c'était juste des polaroïdes avec un montage d'une heure, j'étais fort déçue. Mais nous, elle joue tellement bien qu'on y croit qu'elle revient du bout du monde. Ça, c'est incroyable. Et puis, le grand public vous découvre dans Caméra Café. Et là, on se dit, il doit y avoir des milliers de comédiennes qui postulent. Il va vous faire faire des tests, etc. Et alors, pas du tout. Oui, parce que Alain Capoff, qui a créé le programme avec... Le producteur. Bruno Solo et... Yvan Le Bolloc, on lui avait donné mon nom pour ce rôle, un des auteurs. Donc il m'appelle pour me recevoir. J'arrive. En fait, il n'avait pas le temps. Il dit, non, mais c'est bon, je vous fais confiance. Et il s'en va.
Et ensuite, j'arrive à la première réunion, on était tous réunis, bon, voilà, j'écoute tout ça. Et en fait, plusieurs années après, Frédéric Le Bolloc, le frère d'Yvan Le Bolloc, qui écrivait les sketchs, m'a dit, mais en fait, Armel, quand on t'a vu arriver à la réunion, on s'est dit, c'est elle. C'est elle, Maëva, avec ton petit imperméable et tout. On regarde un extrait, un sketch pour se rappeler ce que le public a aimé, des millions de téléspectateurs tous les soirs pendant plusieurs années. Caméra café. Hier, à la dictée de Pivot, il y avait un mot, xanthophile. Et bah, tout le monde a fait au moins une faute. Bah, franchement, je vois pas l'intérêt de connaître l'orthographe d'un mot comme xanthophile. Enfin, ça devrait disparaître, un mot comme ça, personne ne l'utilise. Ah, tu vois les choses comme ça, toi? Bah, bien sûr, enfin. Bah, c'est pas comme Poufias, hein. Celui-là, il risque pas de disparaître. Tu peux me déposer ce soir? Demande à Jean-Claude, il habite à côté de chez toi. Non, mais je vais pas chez moi. On parle de moi, là. Tu peux la déposer, Maëva, ce soir? Bah non, on parle pas de moi, non. Sinon, t'allais où? À l'auto-école, je vais passer mon permis. Oh, j'ai un trac, c'est pas croyable, hein. Dès que je prends le volant, je perds les pédales. Attends, alors là, si je peux t'épauler, je suis un peu un as du volant, quand même. C'est vrai, tu ferais ça pour moi? Non, non, mais c'est pas une bonne idée. Tu cherches quoi, un prof ou un carrossier? Ouais, j'y vais jamais par là, en plus. Alors, racontez-nous les coulisses de ça, parce que effectivement, il faut défendre un personnage, c'est un plan fixe. En fait, au départ, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Et puis, ils se sont demandé s'ils allaient me garder ou pas. C'est-à-dire? Je comprenais pas les blagues, je comprenais pas ce qu'ils voulaient raconter. Je me suis dit, bon, ben, je suis... Jouer, c'est Molière qui dit ça, c'est figurez-vous que vous êtes ce que vous représentez. Je me suis dit, bon, je suis une secrétaire dans une société... Alors, je suis une secrétaire dans une société. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on l'a compris, vous êtes une intello. Donc, vous arrivez même à donner des lettres de noblesse à la publicité. Vous avez même un prix d'interprétation pour une publicité, pour une éponge. On sent qu'elle a une liberté totale dans ce qu'elle fait, dans tous les choix qu'elle va faire, et même une pub. Regardez. Quand je n'ai pas le temps de me laver les cheveux, c'est très simple. J'utilise Waouh, la nouvelle lavette microfibre de Scent. Pas besoin de produits d'entretien. Grâce au super pouvoir de ces microfibres, elle capte et retient toutes les graisses. Oh, regardez comme mes cheveux sont souples et brillants. Wow. C'est moi la plus belle. Un prix d'interprétation pour une publicité, ça dure, je sais pas quoi, moins de 30 secondes. Mais c'est énorme, ça. C'est génial. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire un truc comme ça, vous en rendez compte? J'ai été convoquée pour un casting et je me suis dit, mais ça, on dirait une parodie d'une publicité d'une grande marque de cosmétiques dont je tairais le nom. C'était l'époque où il y avait Rue des Chiffeurs, Clarté de l'ascenseur, tout ça. Et elle disait, je déclare la guerre aux racines grasses et aux poules. C'est vrai, au point de sèche. Elle déclarait la guerre. Alors je me suis dit, je vais faire ça avec un accent un peu américain. Elles ont toujours des accents comme ça. Alors j'ai fait le casting avant. Quand je n'ai pas le temps de faire... Et puis apparemment, bah, ça les a fait rire. Mais finalement, on a fait sans accent. Je pense à autre chose que vous avez fait, et là aussi, je ne sais pas si d'autres actrices auraient osé le faire, c'est que des milliers de gens vous ont vu nu pour un tableau en chocolat. On regarde une photo. Oui, c'est au Salon du Chocolat, et j'ai un ami designer qui me dit, écoute, tel chocolatier m'a demandé de faire quelque chose, je voudrais le faire avec toi. Et je lui dis, bah, écoute, tu peux compter sur moi. Et après, il me dit, bon, bah, je voudrais recréer le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et je me suis dit, le déjeuner sur l'herbe, mais c'est le pique-nique. Et il me dit, oui, donc là, tu seras poudré, comme ça, on aura l'illusion que tu es en chocolat blanc, et tout autour sera recouvert de peinture marron pour faire comme si tout était en chocolat au lait. Bon, ben, j'ai dit d'accord, parce que quand même, c'est un très, très beau tableau. Puis à un moment, je peux le raconter, ça, dans mon axe de vue, j'avais quelques mois auparavant assisté à une remise de prix au Sénat, où j'avais eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Raffarin, et on avait eu un échange comme ça. Et puis voilà, 6 mois plus tard, je fais ça, et tout d'un coup, dans cette position, dans l'assistance, mon œil tombe sur le sien. Alors j'ai fait ça, il m'a fait ça. Et puis on est rentré, et voilà. Et j'ai eu une boîte de chocolat, du chocolatier. Ah bah. Ça m'a rendu très heureuse, parce que j'adore le chocolat. Moi, ce qui me frappe chez elle, c'est qu'elle elle est généreuse. Elle va à fond, et en même temps, c'est intelligent, et en même temps, c'est fragile.
C'est-à-dire que c'est sur une ligne où tout le monde pourrait se casser la gueule et elle, elle ne se casse pas la gueule. C'est un travail de funambule qu'elle fait. C'est ce que je voulais dire, mais je n'arrivais pas à dire, mais il a super bien dit. Ça énerve parce qu'il a fait plusieurs fois dans la journée avec nous. Eric Emmanuel, quand on voit effectivement trois parcours qui semblent comme ça, vraiment dans des univers totalement différents, c'est quoi les points communs de tout ce que l'on vient d'entendre tout au long de la journée? Moi, j'ai l'impression qu'on a en commun une espèce de naïveté. Oui, il y a un goût de l'aventure, un goût du risque. Moi, j'ai senti ça très fort toute la journée. Et puis, je crois une envie, une double envie, une envie d'aimer et une envie d'être aimé, mais une envie d'aimer très forte. Je trouve qu'ils sont très tournés vers l'extérieur. Je suis content de voir tous les trois en même temps. C'est vrai qu'on est bien. C'est pas une bonne idée que j'ai appelé mon ami Cédric à sa guitare? Moi j'aime bien. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. 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 He was sent away. Bien. C'est une vraie sérénade. À table! On l'a oublié hier soir. C'est encore meilleur le matin. Ouais. Bonjour Eric. Bien dormi. Ah oui, à la campagne, on dort toujours bien. Voilà le boss. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ça va? Ça va, bien dormi? Ah, merci pour le parmesan. Mais oui, vous m'avez dit que vous me prenez du parmesan au petit-déj. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Vous êtes chagriné parce qu'on est dehors? Vous êtes déjà debout. Mais tu t'es couché à pas d'heure. C'est une cata. Ça va? Tu sens bon? Ça va. Vous prenez du café? Oui, oula, beaucoup. Je déjeune dehors quand il fait 40, oui. Par exemple, tu vois. Mais m'habiller avec un truc d'hiver, une écharpe, enfin bon, c'est rare quand même. Bonjour. Ça va bien? Comment ça va? Ouais. Vous allez bien? Je vous vois aujourd'hui. Vous savez qu'hier, je vous ai lancé un défi sur le ponton en disant, bon voilà, on va faire connaissance, vous allez raconter votre histoire, votre parcours pendant 24 heures. J'espère que vous serez authentique. Donc c'est l'heure du verdict. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont été authentiques? Ah moi oui, enfin... À deux, ou alors c'est très bons acteurs. Mais là, je suis. Non, vraiment, non, je connaissais un petit peu Armel, Eric Emmanuel, j'avais vu quelques émissions comme ça, mais j'avais jamais eu l'occasion de parler. Et en tout cas, je trouve que ce que vous dégagez l'un et l'autre, de ce que j'avais vu avant, c'est vous, en fait. Quand on passe vraiment un peu de temps avec vous, on a vraiment l'impression que vous ne jouez pas, en fait, dans votre métier, dans ce que vous faites. Toute votre œuvre à l'un et à l'autre prend son sens quand on connaît votre passé, en fait. Donc c'est. Voilà, moi j'étais vraiment touché. Et Emmanuel, est-ce que vous les avez trouvés authentiques? Je savais qu'ils l'étaient, mais ça a été la confirmation. On ne peut pas chanter comme ils chantent si on n'a pas infiniment de choses à dire et si
je dirais, on n'a pas envie de transformer en mélodie la plainte. Donc. Il nous énerve à dire des choses. Bien. Arrêtez de faire des belles formules, on mais est non, super complexes. Je suis plaisant, c'est magnifique. Non, non, mais c'est sublime. C'est sublime. Toute la journée d'hier, je me suis dit, s'il chante aussi bien, si c'est qu'il veut rendre mélodieux quelque chose qu'il n'a pas été. Et c'est pour ça que c'est vital, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que ça nous touche autant, quoi. Et donc, moi, j'adore. Voilà. Et puis, Armelle, moi, je la connaissais un peu. Oui, il a eu sur le... Donc, je savais quelle personne c'était. Mais elle m'a fait beaucoup rire, en plus, sur la façon dont elle se constitue en héroïne de sa propre vie. Elle est à la fois complètement authentique, mais en même temps, elle a cette distance, cet humour qui fait qu'elle se regarde comme un personnage aussi. Vous êtes d'accord ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était une conversation. C'est très français, la conversation. Oui, oui. Et c'était une conversation. C'était pas une interview, c'était pas une compétition, c'était une conversation et des repas. Les gens viennent vous voir parfois en disant « Oh là là, tu as réalisé tes rêves, etc. » Qu'est-ce que la vie vous a appris, les uns les autres, que vous aimez transmettre aux autres ? Moi, d'être c'est très prétentieux, mais d'être à l'écoute de soi, de son corps, de soi-même, en fait. Parce que je pense que le meilleur conseiller, c'est soi-même. En fait, dans la vie, je veux pas avoir de regrets. Je me rappelle, hier, il a dit qu'il voulait mourir émerveillé, c'est ça que t'as dit. Moi, je veux mourir pareil, émerveillé, mais sans regrets. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans la vie de se dire si j'avais fait ça, ou pourquoi j'ai pas fait ça, ou j'aurais dû... Voilà, moi, c'est pas dans mon vocabulaire de penser comme ça. Le non, on l'a toujours déjà dans la poche. Hein. Il faut aller chercher le oui. C'est exactement ça. Souvent, on ne demande pas. On n'obtient pas parce qu'on ne demande pas. On fait l'autocensure. Mmh. On est son meilleur ennemi, souvent. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre que la vie vous a appris ? Une forme de lâcher prise. Il y a une phrase de Jean Renoir que j'aime beaucoup. Il dit qu'on est comme un petit bouchon sur une rivière. Bon, j'ai pas tout compris parce que si on est que un mouchon, bah. Et vous, Erika Meunier, qu'est-ce que vous essayez de transmettre ? Que la vie est toujours plus riche et surprenante qu'on ne croit. Qu'il faut pas s'arrêter aux opinions qu'on a sur les choses. Il peut toujours y avoir des rencontres qui changent totalement nos existences. On peut faire des découvertes sur soi et sur les autres, qui vous rendent la réalité plus épaisse, plus profonde, plus miroitante. Et donc s'abandonner avec confiance à la richesse de l'existence, à la richesse des choses. Je suis d'accord avec Christophe pour dire que souvent les grands freins, ils sont en nous. Ils ne sont pas tant dans les autres. Ils sont dans les autres si on accepte que les autres nous freinent. Mais il faut d'abord enlever le frein en nous et puis y aller, quoi. Et le temps, c'est un grand allié. Jamais oublier que le temps, c'est notre allié. Oui. Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est sur le temps que les choses, le sens se révèle. Avec le temps, on peut apprendre la musique, on peut développer un art, on peut développer une relation soutenue, continue avec quelqu'un. Avec le temps, on peut changer les choses, on peut changer le monde, on peut même se changer soi. Le temps, c'est notre allié, c'est vraiment notre pouvoir à nous de faire les choses. C'est pas quelque chose qu'on subit. Mais de toute façon, c'est ça un peu la vie. On sait qu'on sort vaincu. Mais se battre jusqu'à l'aube. Maintenant, je vous dis une phrase, on se regarde. J'ai l'impression qu'on est les deux vieux du Muppet Show. C'est ça. Et on fait, ah, elle est bien cette phrase. Voilà. Aussi. Mais on n'a pas le bloc. On peut pas tout noter non plus, hein, Eric Emmanuel. Sortez des bouquins. Alors, le nouveau bouquin qui vient de sortir. Et donc, racontez-nous ces cinq nouvelles, en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Ça s'appelle « Les deux messieurs de Bruxelles ». C'est cinq histoires. Il y a le chien, ménage à trois, un cœur sous la cendre et l'enfant fantôme. Ce sont des histoires qui montrent que souvent dans la vie, on croit être deux, et en fait, on est trois. Et les deux messieurs de Bruxelles, ça va être deux hommes qui vont vivre c'est deux hommes qui se marient au fond d'une église pendant qu'un couple officiel se marie dans les années 50. Ils sont cachés dans l'ombre. Et ils se passent la bague au doigt en même temps que les amants officiels. Ça pourrait s'arrêter là ? Non. Ils vont se passionner toute leur vie pour ce qui arrive aux deux autres. Et en fait, ils vont devenir comme les parents symboliques, sans que les autres sachent jamais ce qui se passe dans cette famille. Et c'est une manière aussi de montrer comment, où qu'on soit, c'est difficile de s'aimer. Dès qu'on se quitte, là, vous allez au théâtre à Bordeaux ? Oui, là, je suis en train de répéter une pièce au théâtre du Trianon, dans le centre de Bordeaux.
Et on va monter pour Noël et puis le mois de janvier une pièce de Feydeau. Ne te promène donc pas toute nue avec des acteurs bordelais. Moi, j'adore Feydeau parce que c'est délirant, quoi. Cette pièce-là, en plus. C'est la mauvaise foi incarnée, la mauvaise foi féminine incarnée. Ah oui, tu vas y arriver ? C'est divin. C'est divin, la mauvaise foi à jouer. C'est divin parce qu'on dit une chose et on pense le contraire. Et alors, vous, vous êtes en tournée partout en France. Donc à chaque fois, vous vous retrouvez devant des salles de gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous aiment déjà. C'est particulier quand même d'arriver, de voir plein de gens qu'on ne connaît pas qui vous aiment. Ben c'est excitant. Non, mais c'est vrai, c'est très excitant quand on est en tournée. Pour moi, c'est le moment, il y a studio, il y a la promo, il y a tout ça. Le moment où vraiment on partage ce qu'on fait, il y a la finalité de tout le travail qui est fait en amont, c'est sur scène en fait. C'est là où, quand on est artiste, on peut vraiment voir l'impact de ce qu'on fait, on peut le jauger. Le plus beau compliment, c'est les gens qui disent honnêtement, j'étais pas fan du tout, on m'a traîné pour venir là, j'ai passé une soirée énorme. Là, tu dis, bah voilà, là, t'as fait vraiment un truc, tu peux être fier. Ça donne du plaisir. C'est tout à fait nous. C'est terrible d'être la première. C'est le destin des dames. L'automne en bonne compagnie, merci. Et j'ai rajouté la maman chat avec le petit chaton. Et nous. Nous nous sommes fabriqués de jolis souvenirs, affectueusement. Le plaisir de vivre et d'échanger, merci à vous. Et toi, t'as pas écrit ? Oui. Ben oui, on t'a laissé la place. Autant d'intelligence, de sensibilité et de bienveillance en 24 heures. Quand je vous vois avec cette petite valise, ça me fait penser à Amélie Poulain. Oui, mais je l'ai gardée longtemps, la petite valise, parce qu'après, je l'ai récupérée. Merci beaucoup. Ben, merci, vraiment. Merci. Un plaisir. Au revoir, Frédéric. Merci pour ton accueil. Merci pour toutes ces anecdotes. Merci beaucoup. Vraiment. Oh là là. Merci. C'est toi qui rame, donc. C'est allez, ça. Hop. Non, bah, on te voit tellement bien lancer. C'est laquelle qui rame. Ciao. Tu vois comme quoi écrire des livres, ça amène à tout. T'as de la chance de rester. Il a de la chance de rester, en fait. Ciao. Ciao, merci. Ciao, ciao. Au revoir. Je sais pas si je mets celle-ci ou celle-là. Là, c'est des perles, une grosse perle. C'est un beau moment et j'espère que de chez vous, vous vivez un moment aussi fort que nous parce que c'est intense. Voilà, donc pressé de continuer cette soirée. Très étonnant parce que quand je passe une journée avec les gens, j'ai toujours besoin de m'isoler. Et puis aujourd'hui, pas du tout. Parce que ces gens me plaisent beaucoup. Opération Prestige, comme disait Catherine Deneuve dans Cotiche.